Monsieur Sépi. Rien que les cartons, oui. J'ai le plaisir de vous annoncer que les films plus sont officiellement ouvertes. Les avant, parce que voilà. Du coup, on attend juste d'avoir le trésorier, puis on commencera les activités, s'il vous plaît. Okay. Bonjour, qu'est-ce qui se passe hein? Ah, ça tombe bien. Bah tiens, je vais te raconter tout ce qui s'est passé. Ouais, mais attends, tu sais ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller choper un bureau pour discuter tranquillement et pas au milieu des EMS. Ouais, venez avec moi. On va. Normalement. M-Dub Je me méfierais, Hans, honnêtement. Oui, je pense que ça serait dommageable pour elle. Oh là, pardon, hein. J'ai voulu régler la radio, hein. J'ai découvert que j'arrivais pas à régler la radio en marchant. Quand ça te casse les oreilles, je peux comprendre. Non, mais c'est juste, je viens de me réveiller, hein. Du coup, je sais même pas ce qui se passe. On m'a dit, hein, ouais, le boss, ok. Alors. Oh putain, il y a sympa le bureau, je vais même. Ah, sympa, ouais. C'est moi, là. C'est sympa ton petit bureau, Kyle. Ah, c'est le bureau de l'administration. Mon bureau, bientôt, il sera là-bas, mais bon, pour l'instant, celui de Teddy, il veut pas. Ok. On passe pas derrière le bureau, s'il te plaît. Pour t'expliquer, ça a commencé le soir du décès de Mio, les histoires avec les deux. Je vais pas dire que tous les torts sont à eux, c'est partagé. On a été faire un saut en parachute en l'honneur de Mio. Problème de parachute, la languette ne s'ouvrait pas. On a été ramené par la secondaire. Et donc tes collègues n'ont rien trouvé de mieux à dire que ouais, un accident de parachute, bah j'ai qu'une chose à dire, c'est chez. On va dire que ce soir-là, j'étais pas forcément. Je pense que tu partages un peu notre mood. On n'était pas forcément de la meilleure humeur suite à ce qu'on avait appris. Donc j'ai mis une droite en mode t'as pas de... voilà quoi. Tu ne parles pas comme ça. Ils nous avaient stabilisés quand même. On va dire les choses. Ils nous ont stabilisés et apporté les premiers soins. Mais une fois que je l'ai frappé, ils nous ont mis à l'extérieur de la porte, à l'extérieur de l'hôpital, sans analyse complémentaire suite à un accident de parachute. Ok. Donc là, j'en ai parlé à Hans en mode juste comme ça. J'ai dit ça sert à rien de faire remonter le truc trop haut et de leur mettre un blâme pour ça. On a aussi des torts. Hans a été parlé à Aldo. Je ne sais pas ce que Aldo lui a dit ou quoi que ce soit. Derrière, Hans vient me voir, on continue la discussion. Donc je lui explique que ouais, il y a quand même eu stabilisation, il y a quand même eu le minimum, quoi. Ok. Et la demoiselle, Adriana, alors ça peut être son mari, j'en ai rien à foutre. Elle arrive, elle commence à m'engueuler, à me parler comme à une merde, en me disant oui, alors ce qui s'est passé la dernière fois, moi je suis là en train d'essayer de calmer les choses avec votre numéro 1, toi t'es en train de foutre la merde. En plus, ce que t'as fait là, c'est agresser un médecin dans les locaux, c'est très grave. Alors, vous avez tapé un médecin, que ce soit dans l'hôpital ou ailleurs, surtout quand il est en service, d'accord que c'est pas un truc qui se fait. J'essaie de lui expliquer que je suis pas là pour foutre la merde, ce que j'avais dit en ce que j'étais pas là pour qu'il y ait un blâme ou que ça aille plus loin. Elle me laisse pas en placer une, donc je lui ai clairement dit de la fermer. Et puis bon, elle commence à la limite à faire des menaces. Du moins, moi je le prends comme des menaces. Hans, tu peux intervenir si tu es pas d'accord. En mode que je devrais faire attention, qu'on a eu de la chance qu'elle ait pas porté, qu'ils aient pas porté plainte, etc. Donc moi je lui ai dit de rester à sa place et que si vraiment elle voulait continuer à me parler comme à une merde et à m'agresser comme ça, j'allais régler ça autrement. Ok, la droite, c'est en fait, hein, vous êtes amené par la secondaire. Ouais. Ils vous ont dit cher, et là tu lui as mis une droite. Hein. On est arrivé, ils m'ont relevé, ils m'ont mis les premiers soins, puis il m'a dit, quand on lui a expliqué pourquoi on était ramené par la secondaire, et là il nous a dit cher. Ok, et toi t'as mis la droite quand du coup? Juste après qu'il ait dit cher, j'ai regardé Fernando, je lui ai dit, Fernando, je peux le frapper, il m'a dit oui, et je lui ai mis une droite. Ok. Ça, dans tous les cas, je peux pas accepter qu'on tape un médecin. Ça clairement. Ça, je l'entends. Et j'ai même été voir 68. Je lui ai demandé s'il y avait une plainte par rapport à ça. Il m'a dit que non. Mais je reconnais mes torts là-dessus. Et comme je l'ai dit, j'ai réagi sur la colère. Et ça justifie en aucun cas l'agression sur un de vos médecins pour un si petit truc, quoi. Voilà. Donc, il se fout de la gueule de la situation dans laquelle on est. Bon. Non, là par contre. Alors en fait, hein, je pense que dans ce cas-là, hein, les torts sont un peu partagés. Hein. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Hein. Est-ce que ça vous dérange de ressortir et j'aimerais bien voir mes deux médecins, voir ce qu'eux, ils en disent. Si tu veux. Ça dépend s'ils sont encore énervés ou pas, parce qu'ils vont partir à envoyer.
Parce que moi, en fait, je t'avoue que j'aurais pu discuter avec eux, ça me dérange pas, mais Adriana, tu peux demander à Hans, elle est arrivée tout de suite en agressant. Ouais, elle est arrivée super sanguine, elle a pas cherché à savoir ce qu'il y avait. Pourtant, juste avant, j'ai discuté avec elle, c'était tranquille. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir pour que ça parte en vrille, en fait hein, je comprends pas. Ah bah, elle arrive. Rien, justement. Aldo a dû lui dire que Hans était venu le voir par rapport à ça, parce que j'en avais parlé, et donc elle est venue m'agresser directement. J'ai juste voulu confirmer auprès d'Aldo ce qu'on m'avait dit. On venait de me dire, et puis rien d'autre. J'ai rien dit d'autre, rien fait d'autre. Je voulais juste avoir une confirmation du côté médical. Je retournais parler avec ces messieurs, et puis elle a débarqué comme une furie. Ouais, en gros, tu voulais prendre les deux parties, voir ce qui collait. Voilà. Et J'ai engagé personne, j'ai accusé personne, rien du tout. Je voulais juste vérifier les informations. Elle arrivait comme une furie. Ouais. Okay. Donc après, à la limite, si tu veux, vous pouvez avoir une discussion avec et limite avoir qu'on ait une discussion, peut-être pas ce soir vu qu'ils sont un peu énervés, mais à tête reposée. Moi, ça me dérange pas d'avoir une discussion avec. Mais par contre, faut vraiment. En fait, c'est là ce qui m'a fait partir ce soir, c'est que je me fais agresser directement, alors que bon, j'en parlais entre guillemets en mode, je suis surpris, je voulais comprendre pourquoi et puis voilà quoi. Par contre. Surtout Adriana, parce qu'Aldo, du coup, j'ai pas trop de soucis avec lui, mais si Adriana continue à nous agresser dès qu'on dit quelque chose qui lui plaît pas, à un moment donné, je t'avoue que je veux bien être gentil et compatissant avec n'importe lequel de tes gars, à un moment donné, je vais en avoir ras-le-bol. Ok. Donc, c'est pas dans notre intérêt de menacer des médecins ou de les agresser ou quoi que ce soit. Je veux dire, vous êtes là pour nous soigner et on va pas vous agresser, il y a pas des. Mais bon, derrière moi, un gars qui se fout de la gueule d'un de mes gars et qui le menace et qui l'engueule derrière comme une de merde, bah, je laisse pas passer non plus. Ouais. Ok. Et du coup, ça arrivait hier le coup de poing, c'est ça? Ou avant-hier? Avant-hier. Ok, c'est le soir même du décès de Mio, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, gros, ouais, on part de l'hôpital, on se dit, allez, on va faire un sans parachute au Mont Chiliad comme il faisait à chaque fois avec Tony et Mio. Et bon, bah, on s'est loupé, quoi. C'est tout. On a fini comme Mio à chaque fois. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il est mieux, putain. C'est un bel hommage finalement. Finir sur une bagarre, c'est encore un plus bel hommage. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Pour bagarre, c'était vite dit. Ouais, voilà. Mais ok, et vous en avez parlé à Teddy ou à quelqu'un d'autre? Ou hein, c'est que là, vous avez laissé traîner l'histoire et là, c'est ressorti d'un coup, on sait pas pourquoi. Bah, c'est là en fait. Hier, c'est comme ça arrivé avant-hier soir tard et qu'ils étaient les deux seuls en service. Hier, je suis pas passé. J'avais d'autres occupations à gérer. Et donc là, c'est en passant, j'en ai parlé à Hans, c'est un peu comme ça, voilà, pour comprendre un peu comment ça se passait. De base, je voulais même pas faire remonter l'incident plus haut. Parce ouais, que je comprends. Pour moi, en fait, il y avait un tort partagé. Donc, à la limite, tu vois, genre, j'aurais même pu présenter des excuses pour le coup de poing auprès d'Aldo ou quoi que ce soit, tu vois, si on avait une discussion calme. Autant Aldo, bah, il défend sa femme, là, il a commencé à faire oui, c'est vrai qu'elle vous a insulté. Alors, non, elle a pas insulté. Par contre, la façon dont elle a parlé. Ça aurait pu, avec d'autres personnes, ça aurait pu dégénérer beaucoup plus vite. Ok, ok, je vois. Ok, bah écoutez, je pense qu'il faut que j'aille leur parler là maintenant. Par contre, je pense que l'histoire de base, c'est que vous avez frappé un MS et qu'il n'y a pas eu de conséquences derrière. Mais en même temps, personne n'est au courant, j'ai l'impression. Non, ils ont gardé pour eux. C'est pour ça, moi, je l'ai parlé et je l'assume totalement ce que j'ai fait. Et je dis pas que j'ai eu raison. Est-ce que si jamais ils vont porter plainte, ça, il y aura des répercussions sur eux ou sur quoi que ce soit? Bah, s'ils veulent porter plainte, qu'ils portent plainte. Si derrière ils se calment et que ça crée plus de problèmes et que Fernando me dit qu'on laisse tomber, je laisse tomber. De toute façon, c'est mon réfet, donc c'est moi je suis les ordres. Mais si derrière ils vont porter plainte et qu'ils continuent à nous casser les pieds. Va falloir aussi qu'on leur montre que. Bah, la plainte en soi, je m'en fous, toi. Franchement, on va se prendre quoi 1000 balles d'amende. Franchement. Ouais, Non, mais pour ça. C'est que dalle, je veux dire, je m'en fous, tu vois. C'est pas ça le problème. Moi, ils portaient plainte, c'est qu'ils le fassent. C'est grand bien leur face. Ça m'aurait pas choqué qu'ils aient porté plainte dans la foulée, tu vois. C'est plus le manque de respect qui pose problème, quoi. Ouais, c'est ça. Si ça continue derrière la plainte, par contre, oui, là, ça va pas être la même. Là, ils auront une vraie raison d'aller porter plainte, par contre. Ok. Ben, écoutez, je vais leur parler, hein. Là ce soir, ouais, ça va être compliqué. On va pas s'amuser à faire un échange, je pense, tout de suite. Hein. Non, moi je pense que c'est mieux que ça redescende avant qu'on discute. Ouais, c'est ça. Hein. Et je vous avoue, ce sera peut-être mieux que Teddy soit là aussi hein, pour gérer ce truc-là. Mais moi, là, je vais leur parler tout de suite. Hein. C'est pas normal ce que vous avez fait de taper mes EMS, de mal leur parler. Après eux, c'est pas normal qu'ils vous aient mal parlé derrière.
Mais par contre, ils étaient totalement dans leur droit, si jamais vous les avez tapés, de juste vous donner les soins vitaux et de vous laisser repartir après. Voilà. C'est ma position par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez, hein? C'est toi le boss de l'hôpital, hein. C'est toi qui donne les directives, hein. On va pas. Non, mais c'est moi je veux pas de problème. Si ça vous semble logique, hein, moi je verrai ça avec lui. Hein. Bah, qu'un médecin qu'on frappe veuille plus nous soigner, c'est normal. Voilà, c'est pour ça. C'est enfin, ça moi je comprends totalement le délire, toi. Là, ils nous ont mis dehors. Je veux dire, moi, il y a un gars, je fais du commerce avec lui, il me fout une beigne, bah, le commerce, je lui nique la gueule. Exactement. Exactement. Il y a plus de, commerce. Hein. Disons que j'étais surpris après une chute de toute façon de. Je m'attendais quand même à passer au moins un scanner après, quoi. Après, bon, je suis revenu que le lendemain, quoi. Mais je peux comprendre que derrière, ils aient pas envie de soigner quelqu'un qui risque de les blesser. En fait, nous, nous, ce qu'on est obligé, c'est de donner les soins vitaux, etc. Donc après, eux, s'ils ont pas gêné de le fait que t'aies à faire un scanner, hein, ça, moi, ça me choque pas. C'est chaque chute, chaque blessure sont ont leur particularité. On va pas faire des surexamins quand il y a pas besoin. Non, mais c'est ça. Mais non, après, tu vois, s'ils veulent pas, au pire, moi, je pose les... c'est pour ça que je suis allé voir Hans, c'était pour poser la question. Après, bah, ça a dégénéré pour pas grand-chose. Pour en fait. Pour juste une question, plutôt. Okay. Bah, je sais ouais, que... Parce que vraiment, ils sont venus cordialement. Hein. Il n'y avait aucune menace, il n'y a rien du tout. Il m'a juste expliqué la situation. J'ai confirmé avec Aldo, et puis ça a direct tourné au vinaigre. Hein. Bah, je vais être honnête que c'est pas dans notre intérêt d'avoir des problèmes avec vous ou quoi que ce soit. Vous venez, vous nous soignez, vous faites déjà un boulot qui est assez ingrat, qui n'a pas forcément autant de reconnaissance qu'il mérite. Je vois pas pourquoi je viendrais vous chier dans les bottes, quoi. Alors vous sauvez nos vies, quoi. Ok, bah écoute, hein, tout ça c'est noté, hein. Je vais leur en parler, je vais leur toucher deux mots, voir eux, c'est quoi leur point de vue là-dessus. Je vais leur faire part, hein, de tout ce que vous m'avez dit, hein. Vous avez un peu de regrets, tout ça... Et enfin, c'est juste que c'était vous leur avez mal parlé, que vous étiez dans un enfin, ils vous ont mal parlé, vous étiez dans un mauvais mood, hein, tout ça. Voilà, on va en parler. Hein. Je vais voir pour résoudre ce conflit là tout de suite. Et après, je pense que ce serait bien de se faire une petite confrontation, ne serait-ce que pour s'excuser mutuellement ou je sais pas quoi. Ouais, bah, moi auprès d'Aldo, je peux bien présenter des excuses. Par contre, Adriana, j'avoue que j'avais pas d'excuses à lui présenter au vu de comment elle m'a parlé. Mais j'en attends de sa part. Et si elle s'excuse, après, derrière, je pense que tu pourras t'excuser. Hein. Bah, je représenterai mes excuses à Aldo. Moi, je me suis fait agresser aujourd'hui, donc j'ai sorti un la ferme parce que, bah, en fait, elle me pose des questions, puis elle continue à m'enchaîner verbalement sans me laisser le temps de lui répondre pour expliquer la situation et la désamorcer. Ok. Donc, non, là, honnêtement, Adriana, là, c'est. Si ça s'arrête là, elle a déjà de la chance. Ok. Ok, bah écoutez, je vais voir ça avec eux. Faut juste que vous compreniez aussi, que vous mettiez à leur place et que vous compreniez quoi. Du coup, y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que ça se comprend des deux côtés, hein. Donc moi je vais voir avec eux, hein, pour que ça se calme. Au pire, hein, vous ignorerez gentiment et ils vous soigneront sans parler, il n'y aura pas d'ambiance quand vous serez soigné, mais c'est tout. Hein. Ouais, bah c'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Non mais y a pas de soucis. Est-ce que vous avez d'autres choses à voir avec moi du coup? Non, t'inquiète. Oh, ok, très bien. Bon, bah, écoute, on viendra te voir plus tard par rapport à un sujet moins joyeux, mais on verra. Ouais, je voulais vous voir aussi, hein, mais bon, on verra ça, ouais. Ok. Bah, c'est une petite voix féminine, je crois. Ouais, c'est fou, hein. Bah, suivez-moi, ouais. Écoutez. Il y a son côté féminin, pourquoi, je pense. Ouais, il a un côté féminin qui ressort. Hein, qui... Ouais, c'est ça, hein. Tu devrais aller au bout vendre des trucs. Toi, pas trop stressé, Hans. Ouais, non, mais... Bah, non, tranquille. Si tu veux, je te ferai un message. On n'est pas méchants, donc ne sois pas que t'aies peur avec nous, hein. Stress pas, hein. Pas besoin de monter dans les aigus. T'inquiète pas. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Nickel. Ok, bah bonne soirée. Hein. Allez, si bonne soirée. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Oui. Aïe, la porte. Bah oui, c'est une porte. On n'a pas dit caille. Aïe. Oh merde. C'est pareil, c'est proche. Aïe. En fait. Aïe. Aïe et caille là. En fait, caille est une douleur. Ouais, je vois. Oh merde. Il est encore là le stagiaire ou il est en train de faire. Merde. Oh merde. Quelle horreur. T'as laissé ton ADN partout sur le sol, quelle horreur. Ouais. Non, ça va. Si, tu veux une photo? Si, merde, si, je t'assure. Je vois pas d'ADN. Hop. Là. Tu en feras que c'est ça, c'était pompe. Voilà. Oui, c'est ça, ouais.
Nickel. Okay. Bon. Est-ce que vous pouvez me dire votre version de l'histoire avec les deux là? Bah, laquelle? Parce que celle de du hall tout à l'heure m'a bien plus choqué que celle de la salle de réveil, mais. Ah ouais, pour moi c'est celle de la Alors parce que moi là ce qu'ils m'ont raconté c'est plus le côté salle de réveil, mais moi pendant le hall c'était un. Enfin voilà, c'était bizarre. Bref, ouais, racontez-moi tout hein, de votre côté et vas-y, puis vas-y, on en parlera. Je te laisse, bah non, je vais te raconter, t'es toujours. Non, ta meilleure story était de ce que moi. Je vais les bruitager tout. Hein. Alors, on a eu Unité X qui a pris en charge les deux spécimens qui avaient fait un saut en parachute. C'était un soir tard. Bref, je connais les délires en Chilia de retardive. C'était avant-hier, je crois. Oui, c'est ça, ça devait être avant-hier. Et on était tous les deux en service, les seuls à être en service, et on allait prendre notre fin service. Et quand on a vu qu'il y avait une intervention en Chilia et qu'on n'était pas équipés, on a attendu. Ah bah c'est le soir du décès, complètement. C'est ça, et c'est le soir du décès de Mioze 6. Oui, ça donc, va. Donc moi, je savais, mais Aldo n'était pas au courant et ne connaît pas non plus le lien entre la demoiselle et les deux jeunes hommes. Et donc, on les a pris en charge en salle de réveil quand l'unité X les a déposés avec leur dossier et tout ce qui s'ensuit. Et oui, voilà, parce que bah il était tard, hein, puis voilà, fallait faire dodo. Donc on leur a expliqué que l'unité X les avait déjà pris en charge, les avait traités, et que on avait leur dossier et que on leur faisait les derniers petits soins pour qu'ils puissent sortir. Baker, vous êtes où? Et Aldo, Non mais parce que tout le monde depuis qu'on était arrivé, il disait on a tiré sur la languette, hein, on a tiré sur la languette plein de fois, mais ça s'est pas ouvert. Oui, moi, j'ai juste dit, bah, dans mon pays, quand ça arrive, ce genre de choses, on dit « chais ». Et puis là, monsieur frustré a demandé à son grand gourou « est-ce que je peux le frapper ?» Grand gourou a dit « oui, tu peux ». Je me suis pris une droite, j'ai été très pro, je n'ai pas bougé, je n'ai pas branché. Et je leur ai dit que la prochaine fois... Moi, c'est moi qui leur ai dit « la prochaine fois, vous trouverez d'autres médecins pour vous soigner ». Et j'ai quitté les lieux et j'ai laissé Aldo finir les soins et les faire sortir. Ok. J'ai eu une conversation là avec... comment il s'appelle? Guevara? Fernando Guevara, ouais. Fernando Guevara, lui expliquant que bah, Aldo n'était pas au courant de ce qui leur était arrivé et qu'il bah, n'était pas censé savoir qu'ils étaient sous tension et qu'il avait bien vu que le chai avait été donné sous le ton de l'humour au même titre qu'on les prend... toujours en charge à des heures très tardives et toujours sur le ton de l'humour, et que voilà, que on comprend que eux ont des codes qui sont différents, mais qu'on doit pas, nous on peut pas accepter que dans le hall de l'hôpital on mette une droite parce qu'on est énervé ou en deuil ou ceci ou cela. Non, mais voilà, sur quoi il a dit oui, c'est vrai, et donc je lui ai dit maintenant, si vous voulez que nous on se dise que vous avez une vie compliquée et que très souvent vous pouvez être soit énervé, soit en deuil ou ceci, cela, et qu'on change notre comportement avec vous, et que juste on vous soigne et on vous fait partir, on peut le faire pour éviter de se prendre des droites. Mais il faudra pas vous plaindre en disant qu'on vous traite pas de la même façon que les autres patients. Et okay. Il était complètement d'accord avec moi et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, en sortant, j'apprends que l'autre est en train de faire ouin ouin à Hans. Donc, bien évidemment, je vais lui expliquer qu'à un moment donné, nous, on vous a rien dit parce qu'on voulait pas mettre de l'huile sur le feu plus que ça. Et en toute transparence, vu le comportement que la majorité des médecins ont avec les groupes criminels, je ne pense pas que j'aurais été écoutée dans ce genre de situation. Enfin, pour nous, c'était assez, et l'affaire était réglée. Et le voir rallumer le truc, alors que bon, bah, on a quand même fait en sorte de tasser le truc, oui, ça m'a agacé. Il est surtout se plaindre à Hans qu'on avait fait un refus de soins sur eux. Refus de soins. On avait jeté dehors de l'hôpital. Voilà. Donc à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Ok. Je comprends un peu mieux. Quand Adriana va expliquer à ce jeune homme, c'est pas tellement juste ce qu'il fait, la manière dont il lui parle. Il me dit de la fermer, il me dit que. Tiens ta gamine, patati patata. Non mais attends, ils se prennent pour qui? C'est ce que je lui ai dit, j'ai dit c'est vous qui avez besoin de nous ou c'est nous qui avons besoin de vous? À un moment donné, le respect, il va dans les deux sens, Kyle. Ok, je comprends mieux. Et je peux savoir aussi pourquoi Hans, en fait. C'est quoi le rôle de Hans dans l'hôpital pour qu'il vienne ici, dans ce bureau avec toi, pour régler ça? Je sais pas. Il a été témoin du truc, hein, du coup. Hein. Mais après, enfin, j'ai juste pris leur version avec les deux. Hein. Donc, il n'y a pas de...
C'était, okay, c'était plus non, haut gradé sur le, et c'était le plus haut gradé sur le moment, donc je trouve ça justifié qu'ils soient là. Ok. Non, mais je voulais savoir s'il avait un lien avec eux ou quoi que ce soit. Parce que la façon dont il leur a parlé en mode limite, il s'excusait, pour moi, c'est non. Oui, non, clairement, il s'excusait. Puis il s'est excusé, hein. Donc il nous a dit oui, c'est bon, vous faites. C'est ça, il nous a dit, il nous a demandé à nous de prendre du recul, de passer derrière la ligne parce qu'on avait franchi la ligne, pardon. Il dit ça devant eux. Donc en fait, en gros, on rabaisse les médecins devant ceux qui leur foutent des droites dans l'enceinte de l'hôpital. C'est quoi ça? Attendez deux secondes, faut que je règle un truc sur mon téléphone. Moi. Faut que j'envoie un mail. Vas-y. Et ça star sur Booking encore, t'as vu? Ouais, c'est ça, il va répondre à ses. Mais c'est ça, il va répondre à ses collab. Insta. Il va avoir une demande de collab. Ouais, par placement de produit. C'est ça. Voilà, c'est la bon. Voiture. Excusez-moi, ouais, j'avais reçu un mail important. Un contact pro. Ok. On m'a demandé, je sais pas, une sponsor pour mon compte Insta, Red Shadow Legend. Je connais rien. Ah ouais, ouais bon, bref. Red Shadow Legend. Ouais, bref. C'est pas Redwood Legend. Ouais, je sais pas. Ok. c'est du tabac, c'est pas bon. Ah ouais, d'accord. Non, mais de toute manière, je sais pas, ça va être un plus mobile ce matin. Un Baker, il est pas chaud du tout. Donc moi j'aimerais bien savoir quelle est la position de la direction face au médecin. Alors, en fait, déjà j'ai l'impression que l'embrouille, hein, c'est surtout qu'il y a eu un moment. D'un côté, il y a Guevara qui s'est excusé et vous étiez d'accord, et de l'autre côté, il y a l'autre qui est parti faire Rouen en même temps, et du coup, ça a fait que ça a créé des conflits. Hein. C'est en fait, globalement, si je prends les deux trucs, vous êtes aussi bien eux que vous êtes d'accord, c'est juste qu'il y a eu un problème de timing. Bah, c'est exactement ça. Donc, s'il avait tenu sa place et qu'il avait laissé son numéro 1 gérer les choses, il ne serait pas retrouvé là. Donc, celui qui doit tenir sa place, je pense que c'est lui. Alors, déjà, le fait que vous soyez frappé, ça, faut me le dire tout de suite. Hein. C'est pas normal. On est d'accord. D'accord. C'est pour ça. Moi, je découvre l'histoire. Hein, c'est des genres de choses. Il faut le dire tout de suite à la direction quand il y a des problèmes comme ça. Non, c'est comment nous expliquer. Bah, ils étaient en deuil. Elle m'a expliqué qu'il y avait un deuil. Le truc était malvenu. D'accord, ok. En fait, pour moi, c'était. Pas l'éponge, mais l'autre qui vient chez le hall. Non. On a dit qu'on allait voir la réaction de Guevara quand on allait discuter avec lui. S'il nous disait, c'est vous, et alors, patati patata, là, on serait venu vers vous. Mais si le gars, il est ok et que. Il tient son équipe et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est tout, c'est arrivé. Ils étaient en deuil. On va pas venir faire ouin ouin, nous, par contre. Voilà, c'est alors. Façon de travailler. Je vais vous dire ce que je leur ai dit, hein, globalement, par rapport à l'histoire qu'ils me racontaient. Si vous voulez, vous pourrez demander à Hans pour confirmer, etc. D'après eux, ce qu'ils m'avaient décrit, quand ils ont dit qu'il y a. Enfin, que tu as dit un chais, j'ai fait bon, ok, ça, je sais pas, j'attendrai de voir leur version. Qui t'ai mis un pain, j'ai fait ça, par contre, c'est nowhere. J'aurais dit potentiellement c'est pas impossible qu'on aille déposer plainte, est-ce que vous accepteriez ça? Ils ont dit est-ce qu'il y aura il y a un risque de répercussion? Il n'y aurait pas de répercussion si jamais vous choisissez de déposer plainte. Ils ont dit aussi sous-entendu le refus de soins. J'ai dit je suis tout seul en service. Non t'inquiète, on est dans le coin. Par rapport au refus de soins, j'aurais dit no way, il n'y a pas de refus. J'aurais dit, il n'y a pas de refus de soins, c'est juste chaque blessure sont différentes. Je leur fais confiance pour faire attention à. C'est pas parce qu'il ne vous a pas fait passer un IRM que c'était forcément nécessaire, enfin, qu'il y a un refus de soins. Vous avez fait le minimum qu'il fallait, pour le plus, vous avez le choix de vous retirer, d'autant plus si vous avez été frappé. Là-dessus, je me suis mis avec. Enfin, il n'y a pas de problème. Pardon ? Si, s'il avait un manque affectif et qu'il voulait un câlin, il pouvait le demander aussi. Bon, bref. Je suis pas sûr que vous ayez envie de vous faire des câlins. Là. Non. Il y a Hugo qui a eu un comportement déplacé tout à l'heure. Attends, mais attendez, un seul truc à la fin, ouais, ça me tue là. Attends, laisse-le finir ça. Il y a beaucoup d'émotionnel dans ce qui se passe. Mais bon, vas-y, on t'écoute. Ensuite. Je suis émotionnel en ce moment, moi je suis tendu, hein, laisse-moi. Ce qui va se passer là, j'ai pris votre version. J'en parlais à Teddy, bien sûr. Le but, hein, c'est qu'une fois que d'ici un ou deux jours, quand y aura Teddy ou moi qui seront en service, ce serait de vous faire une petite confrontation où chacun s'excuse des deux côtés, etc. pour un peu mettre les choses à plat. Je m'excuserai pas. Non plus. Tu peux me virer tout de suite, il n'y a aucun souci. Exactement. Virez-nous. Non, je m'excuserai pas alors. Au moins, mettre les choses à plat. Eux, ils sont prêts à s'excuser pour tout ce qui est point, tout ça, machin. Je m'excuserai pas, j'ai pas manqué de respect, Kyle.
je lui ai donné mon point de vue. Alors peut-être qu'il n'a pas l'habitude d'avoir une femme en face de lui qui lui dit les choses comme elles sont, mais tu peux demander à Hans. Oui, j'ai donné mon point de vue, j'étais pas d'accord. Je lui ai peut-être coupé la parole parce qu'il racontait n'importe quoi, mais je n'ai pas manqué de respect. Donc tu veux que je m'excuse de quoi? De donner mon opinion? Non, mais au moins que tout le monde sache que le conflit n'était pas voulu et que tout le monde est d'accord et qu'on repart sur des basses scènes. Hein. Et que si ça. Et on peut s'excuser sur le fait que ça a été mal interprété. Hein. Bon, ça, c'est Je vais pas m'excuser que lui, son cerveau tourne à l'envers, mais ça va pas ou quoi? Je m'excuserai pas avec elle, vraiment, je le dis tout de suite. Si vous attendez que nous aussi, vous avez besoin que nous, on s'excuse, on s'excusera pas. On veut bien en discuter, tout, de toute façon, tranquille, posé, me préparer en disant que même s'il s'énerve, je m'énerve pas et tout ça. Là, il n'y a aucun problème. Ok. Mais m'excuser alors que, de ce que j'ai vécu, j'ai pas à m'excuser, et limite, comme je t'ai dit, de s'estimer heureux qu'on n'ait pas porté plainte, non, quoi, je ne veux pas m'excuser sous prétexte que c'est des groupes criminels. Si vous voulez, vous pouvez porter plainte, il n'y a pas de problème. Le fait que ce soit des groupes criminels, ça a aucun rapport là. C'est juste pour la bonne entente de tout le monde. Après, s'il n'y a pas de raison, une fois qu'on débriefe tous ensemble, il n'y a pas de raison de s'excuser. Personne ne s'excuse. Il a quand même dit. Alors Hans a quand même nous a demandé de faire marche arrière ou patati quand il a dit oui, il va falloir que tu lui expliques à qui elle parle. Donc oui, le fait que ce soit des groupes criminels, oui, ça rentre. Il leur a dit pas de menace. Tu vois. Donc oui. Attends, Hans, il a dit quoi? Il leur a dit, vous faites pas de menace. Ah, donc... Ils ont menacé dans le hall. Ils ont menacé dans le hall. Quand il a dit, calme ta petite, elle sait pas à qui elle parle, blablabla. Et là, Hans leur a dit, pas de menace, quoi. Donc oui, leur comportement est lié au fait que ce soit un groupe criminel. Ok. Tu vois? Ok. Et je veux pas justement que l'hôpital ait un comportement différent ou accepte de s'excuser et tout ça, et que eux pensent que sous prétexte que ce sont des groupes criminels, ils peuvent se permettre ce genre de choses avec nous. Parce qu'il y a un petit détail qu'il faut pas qu'ils oublient, c'est qu'il y a des moments où ils sont anesthésiés sur une table et que c'est nous qui avons un scalpel dans la main. Ça là-dessus, vous prêchez un convaincu, Oui, non, mais voilà, c'est ce que je leur ai dit, c'est vous qui avez besoin de nous, c'est pas nous qui avons besoin de vous, c'est un fait. Parce que le jour où il a l'estomac qui est directement au sphincter, ça va lui faire bizarre. Non, mais alors ça par contre, c'est no way, hein. On n'a pas le droit de faire ça. Les intestins étaient trop touchés, je suis navré, j'ai pas eu le choix. Ouais, pour la petite histoire, quand j'ai eu un problème avec la triade et que je me suis fait implanter en EMS, globalement, c'est nous qui nous sommes excusés d'avoir mal expliqué. Hein, donc voilà quoi. Ah ouais, non. Ah, mais ça, je suis désolé. Hein. Vraiment, hein, Kyle. Hein. Ça n'a pas. Non. Ah ben ouais. Oui, j'ai posé mon service, j'ai gueulé et il y a eu une grève dans toute la ville. Hein. Donc voilà. Donc on va pas réitérer. Il n'y aura aucune excuse de notre part. Non, mais au moins qu'on mette tout à plat. Mettre à plat, oui. Il n'y a pas de soucis. Discuter et tout ça, mettre à plat, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, moi je suis pas pour non plus qu'on s'excuse en toute manière. Hein. Si casse les couilles, on peut faire du refus de soins et tout ça. Bah, enfin, c'est pas clair, de sang non vital. Hein. On est d'accord. Ok, bah du coup j'en parlerai à Teddy hein, quand même. Et j'essaierai de vous prendre tous les quatre ensemble hein, et que vous expliquiez, pas excusez, hein, calmement. Oui. Voilà. Je compte sur tout le monde pour être adulte, hein, machin maintenant. Oui, je respecte la théorie des intestins, t'inquiète. Non, par contre, ça évite, hein, parce que ça c'est sûr, ça part en couille. Hein. Ouais. Ça c'est sûr, on est obligé de sortir en blindé par contre. Hein. Ça, nous on le sait, c'est ce qui compte. C'est juste un, je sais pas. Non, en fait. C'est vrai qu'il l'apprendra à ses dépens. Laissons-le. Voilà, on va le laisser. Exactement. Voilà. Ok. Bon, Hugo. Qu'est-ce qu'il a fait Hugo? Ouais, vas-y. Bah, Hugo est arrivé, le storytelling cette fois-ci. Je pense qu'il a malheureusement pour lui. Condoléances et tout ce qu'ils vont avec, hein, mais après, via l'intranet, le décès de son ami, Erwan Black. Oui, hein, il était dans les numéros d'urgence. Hein. Voilà, et il a demandé si c'était une blague. Hans a dit, c'est vrai que c'est courant qu'on s'amuse à faire des blagues sur la rubrique nécrologique. Et il l'a un peu beaucoup insulté, disant que c'était son ami. Un peu beaucoup, il a eu des propos très... Voilà, il a traité de... Je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il a dit, mais c'était un gros mot. Oui, c'était un gros mot. Hugo a dit des gros mots. C'est mon ami, je ne sais pas quoi. Oui. Bon, il a envoyé chez Hans, clairement. Et puis Hans m'a dit, oui, bon, écoute, il est un peu en colère et tout. Mais à un moment donné, quand est-ce que les gens ici vont avoir un comportement exemplaire? On est des EMS, on est en service, on apprend une mauvaise nouvelle, on ne sait pas se comporter et on manque de respect à son collègue. Et c'est normal, en fait. Mais bon, tu dis ça à quelqu'un.
Bah, moi, je manque jamais de respect à personne. Hein. Non, tu... Voilà. Je sais pas quoi il a fait. Je sais même pas de quoi il a fait. Je ouais, c'est pas joli. Un mot pas joli. Oui. Ça après, et, a, et du coup, il a, fait, il a claqué ses affaires, il a pris une fin de service et il est parti. Ouais, bah, mais il est revenu. Là. Il est revenu là. Il est là. Je sais pas. Il me semble qu'il l'a revu. Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais tu vois, c'est ça en fait. C'est que, à force de laisser passer plein de petits trucs comme ça, tout le monde trouve que c'est normal, tu vois. Et on a le droit d'être en colère, on a le droit de machin et tout. Mais il y a quand même des règles de bienséance à avoir les uns avec les autres quand même. Mais vous savez que les histoires de gens qui laissent passer des trucs, c'est la première fois que, je vois des gens qui sont... enfin, que j'entends parler ou que je vois des gens qui s'insultent. Hein, donc, bah, peut-être qu'habituellement, ils te le disent pas vu que Hans trouvait ça normal. Nous, on te le dit parce qu'on a été choqués. Mais Hans nous a dit ouais, bah écoute, il vient d'apprendre le décès d'un ami. Je sais pas, écoute, un ami. Jusqu'à nouvel ordre, son autre soi-disant ami a dit bah, il va finir au crématorium, il n'y a personne qui va le récupérer. Donc bon. Enfin voilà. Bah non, mais, non, mais ça se trouve, il l'aimait beaucoup. Hein. Enfin, ça, on sait pas. Hein. Oui, c'est possible. C'est possible. Il a le droit de l'aimer beaucoup. Mais... Il a le droit d'être endeuillé. Oui, insulté, en tenue, un machin. Pas les truc, collègues. Il y avait un, voilà. Y avait d'autres personnes autour ou pas? Il y avait qui? En dehors des AMS. Hein. Ah non, on était dans le hall. Bon, ça, c'est déjà, c'est moins grave quand même. Mais ouais, je vais en toucher deux mois. Yep. Voilà. Parce que ça, clairement, c'est Noé. Hein. Ça, c'est Noé. Ah oui, non. Ah oui, c'est Noé. Non, ça, c'est clair. Après, moi, ce qui m'inquiétait, c'était plus si jamais il y avait du monde autour. Quoi, parce que ça, on a déjà eu aussi. Hein. Mais si, c'est vrai. J'ai la théorie de l'uniforme. Hein. Pour moi, un uniforme, on doit être. Je suis qu'un petit. Comme dirait frustré du cul, là. On est peut-être que des petits infirmiers qui viennent. Non. Pas celui-là, l'autre. Il y en a beaucoup trop, hein, faut qui viennent, être précis, hein. Qui viennent de prendre, là. Mais pour moi, quand t'as un uniforme, t'as l'image des EMS. L'image des EMS, oui, voilà, c'est ça. Donc ton comportement va impacter tout l'hôpital d'une façon ou d'une autre. D'accord. Après, faut se dire, là, enfin. Je suis d'accord que ça peut être choquant, là, je l'en touchais deux mots, etc. Après, ça a été fait entre nous. Donc ça, c'est plus un chiant pour en interne, mais globalement, c'est un moindre mal. Hein. Non, mais pareil, le stagiaire, il vient d'arriver, il le prend comment? Il le prend bien, je pense. Il était... No way. Pardon. il a dû faire des poubelles pour se décontracter, et puis ça allait mieux. Et, arrête avec ça. Pardon. Respecte-le un petit peu. Mais je respecte, hein. J'ai des photos dans mon téléphone. J'ai jamais des photos de stagiaires dans mon téléphone. Il le prend en photo quand il fait le déjeuner. J'ai une photo de toi à poil en position sexy. Hein, Ouais, je sais. Hein. On cherchait un policier pour qu'il se balade à côté avec sa matraque torse nu. Mais bon, c'est pas. Ah ouais? Ouais, il voulait pas. Hein. Bon, bref. Hein. Mon Dieu. Tu vas pouvoir faire un photoshoot là-dessus, non? Ben ouais, Hans, il avait le projet de faire les dieux du merde. Les dieux du service public. Les EMS du service public. Pour faire une collab avec la LSPD. Ah ouais, carrément. Donc du coup, t'aurais fait la même pause, mais sur l'IRM, tu vois. Oh my god. Mm-hmm. Mais c'est une très bonne idée. Bon, bref. Mais tout en haut. Oui, tu sais, sur l'IRM, ouais. En dessus du donut. C'est ça. Mais... Il le flique avec sa matraque dans le donut. Oh my god. Non. No way. C'est un petit quand même. Hein. Ah, quand même. D'accord, ah, ouais, okay. Un petit peu. Ouais. Du coup, la matrix de mon. La matrix de mon. Ouais. Bon, ok. Bon, tout ça pour dire, bah, voilà c'est un. Et puis, okay. On verra. Et puis, le reste. Et puis, in fine, on verra bien. Hein, j'ai envie de te dire que. Oui. Voilà, ouais, on va laisser passer quelques jours le temps de se calmer. En attendant, vous faites le minimum. S'il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un les prend, et puis voilà. Ah, moi, je les prendrai en charge sans aucun problème. Hein. Ma déontologie de médecin, elle est là et je ne vais pas refuser de soigner des gens sous prétexte qu'ils sont débiles. Parce que sinon, non, mais par exemple, quand ils arrivent, ils disent un petit pansement. Moi, par exemple, il y a une personne de la triade, hein, je ne soigne pas quand ils demandent juste un petit pansement. Bah, en fait, ce que je fais s'ils demandent un petit pansement, c'est que je me mets à niveau pour le soigner. Je sors mon scalpel, un petit coup sur le tendon derrière et puis je soigne. Mais vraiment! Arrêtez de me dire. Ça, tu peux tenter, hein, mais je te verrai, hein, je te préviens. Enfin, pas moi, mais je vais sentir. Non, parce qu'il faut l'épreuve après. Il va sentir un léger picotement au niveau de l'arrière du pied, il va pas savoir ce que c'est. Puis c'est quand il aura fait quelques pas que le tendon va céder, puis qu'il va se vautrer par terre, puis ça ne va pas pourquoi. Oh mon Dieu, quelle horreur. Je sais que ça marche. Je crois qu'on comment les autres pégaient quand ils couraient trop vite. Oh my god.
Oh. Oh, il coupait des tendons d'alpaga. Pas des alpagas. Tu fais un, toi tu les pelais pour récupérer la laine pour faire du pognon. Et alors, ça leur fait... je leur enlevais pas la peau, je leur enlevais, enlevais la laine, ça repousse. Ceux qui étaient là avant que moi j'arrive, c'est ce qu'ils faisaient. Hein, et... Bah écoute. Ouais. Ok. Voilà, c'est tout bon pour vous. Hein. Oui. Ok, n'hésitez pas à me remonter quand t'as des problèmes comme ça. Bah, le coup des points, ça a pu être résolu très rapidement, donc faut me le dire. Ok. Ok, ok, ce sera fait. Au mec en blanc, et si jamais ils sont pas bons, c'est moi votre chef de poule, donc vous venez me voir. Ouais, okay. Faut parler au mec en blanc, mais pas Damien, ni à l'autre. Mais pas Damien, mais pas l'autre, puis l'autre il va dire pas Kyle. Oh, c'est qui l'autre hein. Je sais pas. Il y a pas d'autre mec en blanc. Hein. Arthur, il est pas en blanc. Arthur, il est pas en blanc, si. Il est en rouge. Non, Arthur, non, il est en bleu. Hein. Et en bleu, c'est un interne. Il était en bleu l'autre fois, Arthur. Ouais, bah c'est... En... peut-être qu'il est venu en blanc. Ah ouais, non, c'est le docteur Maison qui était en blanc. Peut-être qu'il est venu en blanc et qu'il est reparti en bleu parce qu'il est... Il s'est fait rétrograder du pôle Chir parce que ça demande. Hein. Oui. Ah, peut-être. Tu m'avais dit peut-être. Qu'il n'était pas assez présent, machin et tout. Ouais. Mais la prochaine fois que je le revois, je serais content de lui dire que j'ai fait des recherches, mais que malheureusement, il n'y a pas d'autres hôpitaux qui sont assez qualifiés pour nous. On oublie ça, c'est bon, c'est réglé. On se calme. Moi j'ai un conflit d'intérêt là-dedans, c'est mon daddy. Hein. C'est son daddy. Oh mon dieu, c'est mon daddy, quelle horreur. Tu sais, on dit toujours que il y a des gènes qui l'ont, d'une génération à l'autre, il y a des gènes qui sautent. Ouais, après, j'espère, parce que s'il est aussi aimable que son père. Oh mon dieu. Ah oui, attends. Ah. Kyle. Oh putain. Non, mais justement, Kobe, c'est ton patient ou pas? Parce qu'il nous a dit qu'il avait besoin d'un rendez-vous psy. J'avais dit que j'allais le prendre. Mais okay. Je pensais que c'était un. Je pense pas que c'est une bonne idée que tu l'aies, toi. Après, je dis ça, je dis rien. Qui ça? Bah, si, au contraire. Bah, okay. Moi comme tu veux. Ou qui? Oh, tu veux le prendre, toi? Non, mais. Non, je veux pas. Mais, tu veux pas un don? Hein. Bah. Parce qu'en fait, c'est que j'ai vu son dossier, je me suis dit, oh là, ça a l'air compliqué, etc. Mais en fait, il a l'air d'aller mieux. Donc là-dessus, c'est bon. Mmh. Et là, je pense qu'il aura besoin d'un suivi pour plus tout ce qui est peur du sang, etc. Bon, pas que, parce qu'il est un peu. Enfin, je vais pas dire qu'il est parano, mais tu vois, il est persuadé que tu l'aimes pas, par exemple. Ça, c'est pas. Moi, c'est une réalité. Ouais. C'est normal, c'est un stagiaire. Maintenant, tu prends des photos de lui, donc. Ça va. Ouais, ça, faut pas lui dire. Ouais, leur confiance pour la bah oui, en tout cas. Hein. Ok, bah c'est tout. Si t'as déjà lancé un truc. Bah non, j'ai rien lancé. Hein, c'est pour ça. Parce que moi, de base, je pensais que c'était un cas dur. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais le prendre. Mais c'est vu que ça a l'air d'aller finalement. Je pense que ça peut être intéressant que vous le preniez. Vous en voulez pas, du coup, j'imagine. Bah non, je vais pas dire que j'en veux pas. C'est. Bah moi, le truc. Il a demandé à ce que ce soit elle, donc c'est là que moi quand même... Stagiaire 3 demande à ce que ça soit... Non, il nous a dit à tous les deux, il nous a dit quand vous aurez du moment, à un moment, est-ce que je pourrais vous voir? Il nous a parlé à tous les deux. Il a dit vous. Bah du coup, je pense que ce serait mieux que ça soit l'un de vous deux, hein, du coup. Ok. S'il est plus en confiance, hein, c'est mieux que ce soit l'un de vous deux. Hein. Oui. C'est clair. Voilà, c'est... C'est un... Bah du coup, c'est qui veut le prendre, du coup? On te redira. Ouais, on va voir en fonction de comment on peut déjà jongler avec ce que j'ai là et je te dis quoi. Ok. Ouais. Bah, vous me dites ça lundi. Hein. Yes. Lundi ou mardi. Enfin bref, je sais pas si je... On se tient au courant, quoi. Dans début de semaine prochaine. On s'appelle aussi. Ah non. Aldo. Non. Oui. Oui, c'est vrai, on n'est pas amis. Il a créé mon channel. C'est bon, on a créé ton channel. Je voulais voir avec toi pour un patient. Bah, du coup, désolé, Adriana, mais là, il va y avoir secret médical. Ah oui, je bouge. Au revoir. Attends, alors... Merde, j'ai perdu. Attends, ça arrive. Super, professionnalisme. Exactement. Oui. Oh merde, attends, je crois que le problème, c'est que c'est un lobo, ça. c'est pas grave, hein. C'est un vrai souci avec ça. Hein. Donc, c'est pas... Ouais, voilà. Comment il s'appelle? Jimmy? Jerry? Jimmy. Alors, moi, je... non, là, c'est...
Calvin Sterling. Est-ce que tu connais ou pas? Pas du tout. C'est un mec qui a été pris par Gavin, mais Gavin n'en veut pas. Suite à une demande de la LSPD, hein, parce qu'il était jugé pour acte de barbarie. Hein. Il a globalement il a kidnappé un agent de la LSPD, torturé, arraché des ongles, mangé un peu de son foie. Pas une bonne idée vu que c'est Adriana qui se. Ouais, si je veux m'en occuper, c'est bon. Tu veux. Faut me le dire. Hein, ouais. Moi, je peux. Je le prends. C'est bon. C'est juste que vu que c'est Adriana qui s'occupe de la partie en face. Bah vous en parlez pas de toute manière. Hein. Non, on n'en parle pas. Et ça, après, lui, je pense qu'il a plus besoin d'être soigné ou je sais pas quoi. Tu vois. Donc, oui, ça, bon, puis ça... Coup de perceuse à l'arrière du crâne et puis c'est réglé. Bon, après, il faut l'enfermer. Hein, compte à rien. De toute façon, le mec qui mange les gens, j'ai envie de te dire. Mais voilà, comme tu disais, je veux pas que ça fasse de mal aux animaux. Hein, si tu juges que certains humains sont des animaux, hein, du coup, hein, ça peut. Surtout des animaux, les humains. Bah voilà, du coup, je me disais, ça va peut-être être un peu juste. Hein. Non, vas-y, donne. Ok. Je m'occuperai de son cas de manière très objective. Non, vraiment, c'est ça, je pense. Ok. On voit. Alors, il y a lui. Et attends, il y en a un aussi que personne n'a voulu dans le truc. Voilà, un certain Animal Ped. Je sais pas ce qu'il veut lui par contre. Donc si tu veux si tu vas dans la discussion psy, hein, c'est un peu plus haut. J'ai demandé si quelqu'un le voulait, hein, personne n'a répondu. Hein. Donc si tu veux je peux te le filer lui aussi. Hein. Oui bah vas-y donne. Voilà, donc Calvin Sterling et MC Animal Ped. Ok. De toute manière, du coup, je t'ai pas fait de briefing trop sur les entretiens. T'es comme Adriana, tu gères plutôt bien les entretiens, etc. Oui, t'inquiète. Ok. Si jamais hein, t'as des soucis hein, ou des choses comme ça, ou hein, des doutes sur la manière de traiter un patient, ou c'est trop complexe, etc. Comme d'habitude, t'hésites pas à venir m'en parler, hein, et t'hésites pas à en parler dans la discussion non plus. Hein. Ouais. Y a le secret médical de se dire « c'est machin qui fait ça », mais globalement, si tu dis « ouais, j'ai une personne, j'estime qu'elle est dépressive ou qu'elle est psychomaniaque, je sais pas quoi hein. », tu peux en parler. Hein. Okay. Ça même moi-même, ça m'est arrivé d'aller voir Sarcha et dire ok, j'ai un patient, je sais pas trop quoi en faire. Et Sarcha inversement. Mm-hmm. Et si y a un patient qui est trop dur, hein, tu dis j'ai besoin d'aide. Et là, dans ce cas-là, on peut y aller à deux. Hein. Ok. T'as besoin du numéro de Calvin, j'imagine. Hein. Oui. Du coup, dans mon truc, je peux faire des fils. Oui, je peux faire des fils. Voilà, en fait, le but, c'est que tu fasses un fil dans ton truc par patient. Tu mets son nom, son prénom, l'état où il est. Enfin, l'état dans lequel il est. Donc, ouais. Suivi, enfin, première consultation, suivi régulier, etc., etc. Calvin Sterling, tu m'as dit. Calvin Sterling. Je regarde si j'ai son numéro. C'est Calvin ou Galvin? Putain. Je sais rien, putain. Bah, tu... bah, moi, c'est Calvin, a priori, hein. Avec un K ou avec un C? Avec un C, hein. Un C. Le fil. Attends, parce que ça, c'est un K que l'Espidi nous a filé, mais du coup, j'ai pas son numéro de téléphone. Le mec, il s'est présenté tout seul, quoi. Après, tu peux peut-être le retrouver dans le dossier médical. Ouais, je vais le retrouver, t'inquiète. Ensuite, voilà. Je fais un fil pour DK. C'est Darius. Darius, hein, c'est juste DK. Il m'a dit DK, hein, mais ouais, je crois que c'est Darius, peut-être. Ouais, je crois qu'on l'a déjà entendu Darius. Hein. Et DK, c'est Fabi Hôpital. Je sais pourquoi. Je pense gentiment à comprendre pourquoi. C'est une bonne chose. Un événement traumatisant quand il avait 6 ans. Il est rentré à l'hôpital avec une personne et il est ressorti sans. Je ne sais pas plus que ça pour le moment. Ça joue. Mais ça avance déjà. Ok, je vais déjà pouvoir mettre ce que j'ai là-dessus. Et puis le troisième cas, tu m'as dit, c'était... Non, tu m'as pas dit.
Animal Pet. Oui, animal. Dans la discussion, t'as son numéro de téléphone et tout ce qui va bien. Alors, discussion. Si, message passé. Non, c'est pas ça. C'était le 24 avril, là. Annual Ped. Ok. Et lui, il a quoi? Je sais pas. On m'a dit, il a besoin de rendez-vous psy. Hein. Je fais, ok. Si ça se trouve, ça va juste être un. Ouais, je sais pas si je vais sortir avec machin ou machin. Et là, tu vas conseiller. Puis voilà, ça va être réglé. Hein. Bah, ça peut être tout et rien. Hein. Parfait. On peut avancer là-dessus. Voilà, s'il y a des soucis, tu n'hésites pas. Hop. Un peu ouais, ça, ouais. Vite fait. Et puis voilà. Mais on a eu on a eu un coup de main. On a. Sarcha est venu, on a eu Dr House, c'est ça ? Dr Maison. Dr Maison. Allô ? Salut, ça va ? Tu veux qu'on se voit ? Pas tout de suite, j'ai besoin de souffler. Mais... Ouais, j'imagine. Ok. Bah. Pas tout de suite maintenant, ou genre dans la soirée, tu penses que c'est possible ou pas? Bah, ça dépend à quelle heure tu quittes le service, quoi. Vers minuit, je pensais. Hein. Minuit 30. Hein. Ça sera peut-être demain, alors, ouais. Ok, très bien. Ouais. Ok. Bah, écoute, présente-toi. J'ai une question. Ouais. C'est qui ces deux cons? C'est de nouveaux infirmiers, c'est pour ça que je voulais en parler un peu avec toi aussi. C'est qui ces sales ordures de merde? Et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais à deux doigts de les défoncer. Je viens de perdre un ami, ils se foutent de ma gueule. Ça, il faudra qu'on en parle un peu. T'es des psys, ça? Bah ouais. Ah super. Mais c'est pour ça qu'il faudra qu'on en parle, parce que là j'ai pas compris ce qui s'est passé, hein, donc j'ai que leur version. Ouais. Ok. Donc on en parlera plus tard. Hein. Quand tu seras dispo, ouais, etc. Et puis on pourra parler aussi d'autres choses. Ok. Voilà. Bah merci de ton appel. De rien. Bon courage. À bientôt. J'avoue. Les parachutes s'ouvrent donné, pas. Je pense que le mais ils insistent. Hein. Devrait... Non, mais je pense que justement le pôle psy devrait mener une enquête aussi, à savoir à quel point les gens sont débiles pour tout sauter alors qu'ils savent qu'il y a des problèmes de parachute. Ben ouais, alors ça. J'appelle ça une roulette russe de parachute. Hein, de manière générale, ils sont ultra débiles. Hein, ça, il n'y a pas de besoin d'études. Ouais, hein. Ouais. Oh, j'exagère un peu quand même. Pas vraiment. Hein. Du coup, Kyle, t'as deux minutes de vide pour que je te reparle. Mais ouais, bah, ça tombe bien, je voulais te parler. Oh putain, mais vas-y, Alice. Oh putain. Ah, tu me prends la tête, Kyle, là. C'est toi qui as commencé. Vas-y, voilà, dans mon bureau. Oh putain. Attends, maintenant c'est ton bureau ? On est d'accord, hein. Ouais. J'ai mon cabinet psy, hein, mais il est un peu loin pour faire. Ok, bref. Oui. Vas-y, dis-moi. Ah non, bah vas-y, toi d'abord. Il s'est passé quoi avec Hugo ? Rien. Non, mais pas entre toi et Hugo, mais entre les deux et Hugo. Ou je sais pas, parce qu'apparemment. Apparemment, il aurait insulté. Il aurait insulté. Non, mais. Vraiment, je lui tiens pas rigueur. En gros, si tu veux, il venait d'apprendre le décès de Kakane, là, aujourd'hui. Ouais. Black, hein. Black, voilà, oui. Et en gros, il venait de l'apprendre, il nous demandait si c'était une blague, et je lui ai dit oui, on adore rigoler avec la mort aux EMS. Parce et du coup, il t'a insulté, quoi.
Ouais, bah du coup, mais j'ai même pas remonté ça parce que honnêtement, ça m'est passé par-dessus la tête. Et les deux, Adrien et Aldo, ils ont répondu quoi? Ouais, franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas suivi. Ça m'est vraiment passé par-dessus la tête. Non, vraiment, je crois qu'ils ont, ils ont juste dit ouais que ça se faisait pas entre collègues, mais je te promets, j'en ai vraiment rien à faire. C'était tellement puéril que ça m'est vraiment passé par-dessus la tête. Puéril de la part de qui hein? De Hugo hein? Ouais, la situation globale. Ouais, d'accord. Vraiment des gamineries, quoi. Genre, voilà, il pense que c'est une blague. Je pense que les sentiments sont montés. Je lui ai dit, ouais, oui, on adore rigoler aux EMS sur la mort des personnes. Du coup, bah voilà, ça l'a énervé. Et puis voilà, franchement. Parce que, j'ai même pas pris à. Ouais. Parce que je viens d'avoir Hugo, hein, il a rien dit à propos de toi, mais il m'a dit, c'est qui les deux cons que t'as engagé hein? Donc, donc c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé hein? Ouais, alors, ouais, mais je pense que c'est parce que. Enfin, quel deux cons? Parce qu'on a beaucoup de cons qu'on a engagés dernièrement, je pense. Ah ouais, mais je pense qu'on parle de ticket-tac là. Hein. Ouais, d'accord. Ouais, mais disons qu'ils sont. Ouais, 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 voilà. Je pense qu'ils sont, ils sont très bien ensemble et ils veulent un peu révolutionner le monde. Oui, ça, mais ça franchement, oui, hein. ils ont pas été. Ils ont juste remonté comme quoi il n'avait pas à parler comme ça à un collègue et c'est tout. Hein. Ok, donc c'est comme Hugo, je te dis, c'est Hugo qui est au bout de sa life. Hein, okay. Ouais, ouais, non, mais non, mais il vient d'apprendre la mort d'un collègue, enfin d'un de ses amis, pas un collègue. Oui, ouais, il était tendu, quoi. C'est un peu comme avec. Comment il s'appelle putain, Jerry Guevara. Ouais, ouais, je vois, ouais. Et je pense qu'ils ont pas. Ben voilà, quoi, ils perdent des gens, et puis Tiketa qui sont un petit peu. Voilà. Voilà. Mais là pour l'histoire avec les deux, hein, enfin avec Guevara et tout, en fait, je crois que c'est juste c'est un problème de timing. Hein. Adriana, je vais sur l'intervention. Parce que c'est ça. Au que... De quoi? Ah bon? Mais c'est le LSPD. Ah d'accord. Mais c'est pas grave, on sort Baker quand même. Il faut qu'ils sortent des EMS et qu'ils partent se former. Ouais, prenez Stagiaire 3 avec vous. Hein. Non, Stagiaire 3, il est en consulte avec un patient. Putain. Ah merde. Pas sûr. Okay. Ça fait ouais, bon, dans tous les cas. Mais je pense que le problème avec Ticketac, c'est que comme ils sont toujours fourrés ensemble, peut-être les personnes, elles se sentent doublement agressées, tu vois. Oh, j'en sais rien. Parce que, il y en a une qui défend l'autre et l'autre défend l'autre et. Deux murs, je pense. Non, là pour les deux, hein, en fait, hein, pour l'histoire entre les Lobos et eux, hein, c'est, j'ai l'impression que c'est juste un problème de timing. Où d'un côté ça s'excusait, hein, de l'autre côté c'était pas, ils savaient pas que c'était excusé, et du coup ils ont rajouté une couche et hein, du coup hein, bah, ça s'est tiré dessus alors que tout le monde est d'accord. Ouais, quand on prend les deux dans une pièce, ils sont tous les deux d'accord. Hein. Oui, mais je tiens quand même à dire que le comportement d'Adriana était complètement déplacé, dans le sens où elle a rien suivi à l'histoire qu'il y a eu aujourd'hui et elle a débarqué comme une furie. C'est-à-dire qu'on lui a pas adressé la parole, je lui ai rien demandé, je suis allé voir Aldo juste pour qu'il me confirme ce que Jerry me disait. J'ai rien réclamé à Aldo, je lui ai rien dit. Je suis retourné voir Jerry et sorti en courant de. Enfin, voilà quoi. Ok. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'elle prenne du recul, qu'elle apprenne à écouter et à voir ce qui se passe avant de se jeter dans la mêlée quoi. Surtout. Si elle est au courant que bah, y a un chef, enfin leader de groupe criminel, il y a peut-être des tensions, c'est pas la bonne idée de venir embrouiller quelqu'un comme ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Peut-être qu'elle prenne un peu de recul. À nouveau, ouais. Elle défendait son compagnon. D'ailleurs, on s'est posé une question avec Sepi. Le fait qu'ils soient ensemble, ils doivent pas remplir des feuilles RH pour avertir l'hôpital. Bah, le fait qu'ils aient, ils ont été engagés en même temps en étant ensemble, donc non, rien, ça me choque pas. Hein. Ok, d'accord. On ne savait pas justement s'il y a des procédures ou non pour ça. Je crois qu'il y a une histoire où il ne faut pas que la personne soit supérieure à l'autre, un truc comme ça. Ah, d'accord. Mais c'est même pas sûr. Ok, d'accord. Ok. Bon, bref, ça a une meilleure pensée. Ouais, non, mais c'était un détail, juste on s'ennuyait, on se posait la question. Ok.
Très bien, merci. Hein. Mais en tout cas, quand il y a des problèmes comme ça, faut pas hésiter à me le remonter. Hein. Si, enfin, quand il y a des problèmes entre un médecin et un groupe, hein, faut le dire en avant. On était dessus. Mais non, parce que c'est une histoire qui est arrivée il y a deux jours. Hein. Donc, c'est pour oui, ça que. Ouais, mais voilà, moi, je suis parti lundi soir et je suis revenu maintenant. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je transmets. Hein. C'est, donc, c'est ouais, non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, dès que j'ai eu Gavara et Jerry tout seul, je leur ai dit qu'ils passent directement par un membre de direction ou le Teddy. Donne même pas la peine de passer par d'autres, sinon ça fait téléphone arabe et on s'en sort plus en fait. Ouais, bah c'est pour ça, je les ai pris. Hein, dans le Ouais, aller directement au plus haut possible, on évite. Ok, bah, très bien, merci. De rien. Ah, t'as d'autres choses à voir avec moi? Ouais, bah du coup, j'aimerais bien que prendre rendez-vous avec toi. Pour le PPR? Bah oui, putain. Oui, mais à chaque fois, je t'ai. Bah écoute, on va voir s'il y a du monde ou pas, et s'il y a personne, on va le faire. Ouais, que ça marine. Il y a Baker, on est bon. Ah oh ouais, on est sauvé. Mais non. Ah, perdu. Merde. Baker, tu peux me dire t'es où au sein de l'hôpital, s'il te plaît. Il est avec moi, si je traduis. J'ai peur un peu de laisser tout seul dans l'hôpital et qu'il se blesse avec un pansement ou... Ouais, je c'est sais clair. Pas, un bandage. Ou une sonde. Ouais. Ah merde, j'ai plus de bandage d'ailleurs. J'ai peur de laisser tout seul et qu'il se blesse avec un bandage. Ah putain. J'ai combien de mes bêtises? Ça va être compliqué, hein. Parce que là, finalement, ça va, quoi. Il est pas trop agressif. Ah là là, tant de swagitude quand il marche. Hein. Exactement. C'est ce que je veux dire à chaque fois. Il faut en mettre un podium ici. Mais bien sûr, il y a un tapis rouge. J'ai même une démarche de défilé. Attends. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Ça, c'est le responsable. Voilà, comme ça, tu vois. Et ouais. No way. tu photographies un peu trop près ma teub, là, par contre. Oui, j'adore, Myri. J'adore faire des photos. Nickel. Des petites choses, tu sais. Bah, c'est ah ouais, d'accord. C'est le plaisir de la vie. Hein. No way. Super. Plaisir de la vie. Bah Hans, tiens d'ailleurs du coup viens. On va faire ton PPR, on va finir ton PPR. Tu veux que je prenne ma fin de service? Non, ça va le dire. On fait ça, si jamais ça c'est la merde, on part donc. Ok, nickel. Ok, il prend celle au fond droite. Du coup. Hein. Ah ouais, d'accord. Docteur, je crois que j'ai un problème. Attends, j'en sors ma feuille. Ouais. Alors, Ah ben non, faut aussi que je ressorte ton dossier, putain. Je viens de me rendre compte que j'ai encore du maquillage sur les yeux. Pourquoi t'as du maquillage sur les yeux? C'est bien la question que je me pose. Mais des fois, hein, ça permet de, genre, de se concentrer à d'autres choses sur ton visage, genre si t'as des boutons ou des choses comme ça, tu vois. Comme ça, ils se concentrent sur les yeux. Ouais.
Alors. Ok. Du coup, après discussion un peu avec, avec la direction, tout ça, on va pas trop, je pense. Je pense que tout ce qui s'est dit, hein, t'étais un peu en colère. Oui. Mais ça peut. Ça devrait passer, tu vois. Je pense que c'est bon. Ok. On a vu au fur et à mesure, enfin, je t'ai revu plusieurs fois, ça se voit que t'es pas non plus trop agressif. Hein. J'aimerais juste te refaire trois cas concrets, hein, autres que ceux que t'as fait. Hein. Voir comment tu réagirais. Et de cette manière-là, ben, je pourrais voir si tu serais apte à passer ton PPA ou pas. De toute manière, il faut bien garder à l'esprit qu'au moindre souci, on peut t'enlever ton PPA. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, hein, c'est que je vais te reposer des cas concrets comme la dernière fois. Et je vais te demander bah, du coup, de t'imaginer avec ton arme à la ceinture, avec le PPA. Ok, bien pris. Est-ce que ça te va? Oui, oui, bien sûr. Ok. Tu fais une soirée dans un événement privé au Sony Record. Pendant la soirée, un individu te provoque et te menace. Le ton monte hein, et la sécurité vous fait sortir tous les deux, sans te rembourser. Hein. Une fois dehors, tu te trouves nez à nez avec la personne. Hein. Comment tu réagis hein? Prenez le stagiaire avec vous. Hein. Il avait un retard au bout du tunnel. Ouais, de toute manière, c'est dehors. Ouais. Ouais, ouais, du coup, de toute façon, je suis dehors et je sais que je vais pas rentrer, ça sert à rien de se prendre plus la tête en fait. Faut passer à autre chose. Allez, okay. Demi-tour, direction la voiture si je suis en état ou taxi, je me casse quoi. Et si lui, hein, c'est déjà bien merdique. Et si lui il est bourré, genre il va commencer à t'emmerder, à dire hey, enculé, machin. Ouais, je me rapproche des videurs de la boîte et puis j'appelle mon taxi à côté et puis j'annonce comme quoi le gars il est pas stable quoi. Enfin, il est pas stable. Ok. Et agressif. Ok, ok. Imagine, après une longue journée de travail, hein, tu rentres plutôt chez toi que prévu. Hein. Et tu surprends ton conjoint ou ta conjointe hein, au lit avec quelqu'un d'autre. Hein. Comment est-ce que tu réagis hein? Ah la salope. Exactement. En gros, je vais le claquer. Hein. Attends. Il surprend, puis il est en train de la claquer. Exactement. Ok, ouais. Bon, ben, je pense que je me pose des questions, mais. Ouais. C'est pas facile, hein. Ben, je pense que. Ouais, je serais dégoûté, énervé, puis je demanderais des explications de ce qui se passe, quoi. Ok. Bah, il t'explique juste du coup que, bah, enfin, je sais pas, elle avait envie. Ça fait plusieurs fois qu'elle se fait claquer dans le lit conjugal. Hein, c'est comme ça, quoi. Ah oui, d'accord. Carrément plusieurs fois. Bah ouais. Oui. Ah ouais. Bah, il est apparemment, il t'apprend qu'il est un peu mieux que toi et tout ça, quoi. Mais l'autre gars, c'est qui? Quelqu'un que tu connais pas, un inconnu. Quelqu'un que je connais pas, un inconnu. Un collègue de boulot dont t'as parlé, mais tu l'as jamais vu, quoi. Ok, ah putain, un collègue de boulot. Ah, je le savais, j'étais sûr. Putain, ça ressemble beaucoup à ce qui m'est arrivé, quand même. Hein. C'est incroyable. Bah, du coup, franchement, j'essaierai de comprendre pourquoi. De voir ce qui s'est passé. Après, je me casse, quoi. Enfin, y a pas de... Tu pars de ta maison, du coup. Truc miracle. Ah bah oui, bah en tout cas, c'est sûr que je vais pas rester à l'intérieur pensant qu'elle se fait culbuter par son collègue, quoi. Bah ouais, faut désamorcer, ça sert à rien, de toute façon. Bah après, il faut aussi voir, ça fait 15 ans de relation, 3 mois.
aussi, il faut aussi voir, quoi. Parce que je pense que si ça fait 3 mois, bon, bah, tu te dis que c'est pas la bonne. Si ça fait 15 ans, faut peut-être, peut-être une remise en question à avoir, quoi. Ok. Ok. Et si le mec te chauffe un peu en mode bah, désolé, gars. Fort que toi, quoi. Bah, c'est pas de sa faute, en fait. Ah ouais, d'accord. Bah, ouais, non, mais en soi, si c'est de sa faute, mais c'est une faute partagée. Il faut 2 personnes hein, pour se faire culbuter. Hein. Ou plus, hein. Ou plus, ouais. Ouais bah, au contraire, s'il y a plus de gars encore, là, ça devient un peu chaud quand même. S'il y a plus de gars, est-ce que ça change quelque chose à ta réponse? Alors, s'il y a plus de gars, peut-être que je la traite de pute, mais vite fait. Ah ouais, d'accord, comme ça de la violence, ça. Mais attends, ça fait longtemps que je suis avec et je viens, et puis elle se fait déboîter par la moitié de l'usine. Je pose quand même des questions, hein. Que j'ai des enfants dans cette situation ou non? Non, on va dire non, quand même. Non, pas d'enfants. Ouais, bon, alors du coup, c'était pas la bonne. Je pensais que c'était la bonne, quoi, mais... Et s'il y avait des enfants? Ah, voilà. Après aussi, s'il y a des enfants, c'est dommage pour les enfants. Quoi. Ceux qui sont partis en inter, il y a besoin de vous préparer une salle ou pas? Parce que je me dis que s'il y a des enfants, c'est quand même un peu plus grave et qu'il faut en discuter. Ouais, c'est un peu égoïste. Fallait penser aux enfants aussi. Après, il va y avoir un divorce et dans les divorces, les premières victimes, c'est toujours les enfants, quoi. Ok. On va passer au cas concret suivant. Oui. Tu te réveilles au beau milieu de la nuit, hein, intrigué par des bruits inhabituels. Rapidement, oui. Tu comprends que quelqu'un s'est introduit dans ton domicile. Oui. Ton arme personnelle se trouve dans ta table de chevet. Hein. Comment tu réagis? Quelqu'un s'est introduit. Alors, ouais. La première chose, déjà, j'appelle la police. Moi, je suis toujours à côté de ma table de chevet, on est d'accord, hein. Exactement. Ouais, ok. Si j'ai mon téléphone à portée, j'appelle la police en disant que quelqu'un s'est introduit dans ma maison. Ensuite, sans quitter la pièce, j'essaie d'interpeller la personne en lui demandant qu'elle s'identifie. Et là, tu remarques que ça parle russe. Hein. Ça parle russe. Bon, de toute façon, il y a une chose qui est très importante, c'est toujours ma sécurité d'abord. Je ne vais pas me jeter dans la mêlée, quoi. J'annonce comme quoi je suis armé et puis qu'il faut qu'ils quittent les lieux. Et puis s'ils ne me comprennent pas, j'essaie de quitter la maison par une fenêtre ou d'évacuer les lieux. T'as pas pensé, hein, par exemple, t'enfermer dans ta chambre, à prévenir la police et t'enfermer dans ta chambre? Je préfère quitter les lieux. Si je suis au 7e étage, c'est un peu dur, je m'enferme. Mais par du principe que je peux quitter la maison en attendant l'arrivée de la police, c'est toujours mieux. Le gars, ça peut être un toxico, ça peut être n'importe quoi, donc pour éviter la confrontation, c'est toujours mieux. Ok. Comme ça pourrait juste être un clodo qui charge dans le frigo, quoi. Donc si je peux éviter de lui mettre 2 bastos, c'est peut-être mieux. C'est pas forcément violent. Ah, c'est pareil, oui. Pourquoi vous voulez que je réagisse, hein? Droit d'auteur ou je sais pas quoi, un truc comme ça, quoi. Ils ont dit quoi, la radio, que je devrais dire droit d'auteur? Franchement, j'ai pas compris. Pourquoi je devrais dire droit d'auteur? J'ai pas compris. Ouais, c'est pas grave, t'as pas entendu, je crois. Ouais, non, mais alors là, j'avoue... Nowhere. Incompris. Je cherche peut-être la provocation, hein. Je pense ça. Du coup, pour moi, ça, c'est bon. Hein. Je te valide ton PPA. Ouais. Voilà. Du coup, là, LSPD va te contacter pour que tu passes le test pratique. Ouais, d'accord. Moi, j'ai un cas concret. Vas-y. Imagine, t'es dans une salle psy, puis il y a 2 collègues qui t'en prennent à toi à la radio en disant que tu réagis pas suite à des droits d'auteur. Tu réagis comment? Je demande, c'est quoi cette histoire de droits d'auteur? Ouais. Ok, d'accord. Après, je porte plainte. Ils te disent laisse tomber. Crash. Ah ouais, ok, d'accord. Putain, faut vraiment que je m'inspire du meilleur. Attends, s'ils me disent laisse tomber, hein, j'attends qu'ils reviennent avec un flingue dans la main et je tire dedans. Putain. Ah oui, d'accord. D'ailleurs. Non, je rigole.
Mec, c'est très drôle que tu dises ça parce que dans mon pays, en Suisse, le fait d'avoir une arme à la main n'était pas suffisant pour abattre la personne. Voilà. Attends, quoi? Le fait d'avoir une arme à la main n'est pas suffisant. Par exemple, toi et moi, là, je suis devant toi, d'accord? Ouais. Je te menace, je te dis que t'es une sale merde et que t'as pas de flow, tu vois. Pardon? Là, c'est pas... Y a un gros manque de respect, tu vois. Pardon? Là, je commence à... Ouais, tu vois le truc. Tu vois, là, tu t'énerves. Là, je te dis, ouais, t'as des boutons et tout, et je sors mon arme. Bah là, tu peux pas encore me tirer dessus. Parce que j'ai pas levé mon arme. Et bah, je t'ignore. Tu vois? Voilà, parce que on n'écoute pas les rageux. Exactement. Ils t'ont quand même manqué de respect là. Ils se sont moqués de toi à la radio devant tous les collègues de l'étage et tout. Fou, j'aurais pas aimé. C'est vrai qu'ils m'ont appelé tyran quand ils étaient stagiaires. Ça va aller, ça va aller. Sérieux ? Et bah oui, bah, t'étais pas là. Tyran, hein, ça me dirait du tout. Oh putain, je suis mort. Oui, hein. T'es là, tant mieux. Dis, il y a un monsieur qui veut te voir. Agent d'un nouveau DJ qui est sur l'île qui veut faire un concert en faveur des EMS. My God. Donc, ok, hein, bah, écoute, ouais. On va voir ça. Oui. Bonjour monsieur. Bon, vous connaissez un agent 50, mais je viens en tant que représentant, enfin, comment ça s'appelle, agent d'un DJ qui vient d'arriver en ville. Ok, qui ça? Et DJ Diamonds. Ok. Il va organiser un concert à but pour les services publics. Ouais. Donc, où la moitié de tout ce qui touchera sera reversé aux services publics, donc en priorité les MS, pour vous aider à avoir un petit pécule pour vous aider financièrement. C'est cool ça. Donc pour vous annoncer que dans très bientôt un concert allait arriver, donc vous serez invité déjà de base à venir vous décompresser. Enfin vos collègues ils peuvent venir hein, s'ils veulent venir, hein, y a pas de souci. Hein. Non, que moi. Ah que vous, ok. et que voilà, vous serez invité pour décompresser un soir ou début d'après-midi ou je sais pas quand est-ce que sera organisé. Dans un premier temps, ce sera organisé dans la scène. Donc je vais essayer de voir avec d'autres artistes s'ils sont intéressés pour qu'on fasse un concert de 1 heure, voire 2 heures, voire un peu plus, de telle façon à ce que vous passiez une très bonne soirée. Et puis voilà, donc c'était pour vous informer. Ok, bah super. Bah je vais prévenir, Teddy et enfin je vais prévenir tout le monde. Ok. Donc, vous avez une date ou pas? On pense plus se platonner sur aux alentours du 12 parce que là, bon, vu que cette semaine ça va être un peu compliqué, la semaine suivante, je pense que ça va être un petit peu encore tendu. Ouais, c'est possible. Donc c'est pour ça que derrière, on va essayer de faire un truc un peu plus calme. Ok. Ne vous inquiétez pas, il y aura la sécurité du LSPD qui sera là normalement. Ah bah super. Coup, parce que j'avoue que là, faire des cascades dans le nord, c'est pas évident. Ah bah du coup, on sera pas mal, ouais. Pas mal de partout. Ok, voilà. Bah du coup, je note. Voilà, bah je vous remercie. Avec plaisir. Y a besoin d'une participation ou de quelque chose? Négatif, vous ne payez rien. De toute façon, ce sera des entrées qui seront payées. Des entrées pour accéder au concert qui seront payables. Et comme je l'ai dit, il y aura une consommation par personne. Les tonnes, on verra pour une boisson. Ça fait pas mal au cul. Okay. Et après, le reste, bah, ce sera divisé pour l'artiste et l'autre moitié, ce sera pour les MS. Et le prochain concert, ce sera pour un autre service. Impeccable. Ok, bah super. Ça va bien, c'est ça génial. Déjà. Nickel. Bah écoutez, moi je reviens vers vous. Puis dès que j'ai un peu plus de nouvelles, voilà quoi. Ouais, bah nickel, faites ça. Nickel, allez, merci bonne beaucoup. Bonne soirée. Bon, moi, on est sûr que tout ira bien, quoi. Exactement. Salut. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Ouais, fais attention à toi. Hein. Ouais, pas de merci, soucis. C'est gentil. Bonsoir à vous. C'est allez, à plus. Bah ouais, impeccable. Pour moi, ça va faire du bien, ça. Nickel. Bonne soirée à vous, bon courage. Au revoir. Et où Aldo? Il est aux toilettes. Et moi, je pensais que tout le monde était au courant de Tyran 1. Pourtant, on n'a pas arrêté de le dire et tout à tout le monde. Mais tu vois, t'as été passé à travers les mailles. C'est surtout que je pense que c'est à cause de mon yoga nocturne. Peut-être. À 21h30, j'ai une tendance. C'est peut-être raté. Ça, oui. C'est ça. En plus, il aime bien. Il fait genre et tout, mais en vrai, il aime bien. Je crois que ça lui plaît. Pas du tout. Bah oui. Oh, arrête. Un peu comme Jules César, quand il était dit. Joli titre, tu.
Oula, tu as... Ah ouais, tu... J'essaie de malentendre. Hein. Ah non, moi aussi. Ah, arrête de m'acheter tes mots, s'il te plaît. Ah ouais. Oula. Là. Ouais, ouais, ouais. Là, là, là. Là, 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 là. Là, 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 là. Là, 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 là. Oui. Oh, parlez de moi. Non. Niveau bah, message d'entreprise, on est bon. Hein. Je peux tout virer. Hein. Pas une acquire, mais... Oui, c'est bon. C'est celui où on est intervenu. Ok. C'est vrai que je pense jamais à les retirer, c'est l'entreprise. Réflexe que j'ai pas encore. Ah. Let's go. Moi, je dis qu'il faudra envoyer Kyle avec le nouveau. Ça permettra de souder les liens. On est déjà soudés. Hein. Ah. Non, ça n'a rien à voir, c'est de l'administratif. Ouais, il faut pas envoyer à l'assistant de direction, là. Oui, justement. Tu compayes trop cher pour ça, il est où? il est pas là. Ouais, il est plus en service. Merde. Moi, je m'y colle, si tu veux. Jack, t'es là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, ça. Pour les inscriptions aux formations premier secours. Oui, je vais prendre tous les noms et ériger la facture du nombre de personnes. Ouais, mais je vais m'y coller. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais... Ouais, allez. Non, bah vas-y, okay. Merci. Hein. Salut. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça fait deux semaines. Mmh. Oui, la routine. Ça fonctionne bien, quoi. Vous êtes intéressé. Ah. Ouais. Non, ça se passe bien. Pourquoi c'est le bordel chez vous ? Ah, c'est pas être médisant que de reporter les choses qu'on estime qui vont pas bien. Hein. C'est pas, on n'est pas là pour casser du sucre. Hein. C'est... Venez. Ben voilà. Wow.
Hop. Attends. Ah, il a dit un gros mot. Attends. Non, parce que je viens de recevoir, je viens de voir tous mes SMS hein, là. Un homme demandé, que veux-tu? Exactement. Assumer la célébrité après. Allô? Allô? Ouais, c'est Kim? Ouais. Ouais, bah oui, c'est moi, oui. Je t'entends super loin. Ah merde, pardon, oui. Non, t'inquiète. Ça oui, va? Non, oui, non, mais bon. T'as eu la nouvelle du coup, hein, c'est bon? Bah oui, si j'ai envoyé un message, c'est pas pour rien, oui. Non, bah voilà, non, mais je voulais être sûr que t'avais. Enfin bon, bah, voilà quoi, il est décédé en effet. Ouais, je sais, oui. Bah, je sais pas, c'était juste pour être sûr que c'était bien transmis, quoi. J'arrive aux MS, là, je vais me faire poser un petit pansement. Ok, bah, très bien. Oui, à tout de suite. À tout de suite, hein. Il y a un quota sur les grades et tout ça. Ouais, pourquoi? Curieuse. Non, mais je voulais savoir justement comment ça fonctionne. En fait, il n'y a pas de quota jusqu'à un docteur. Ah, d'accord. Je crois qu'interne, il y a peut-être des quotas aussi. Ah, tu sais même pas. Salut. Ça va? Bonsoir. Ouais, 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 nickel. Bah, j'ai mis des petits pansements pour vous deux. Ouais, pour moi. Ah non, pour moi ça va en fait. Ok. Bien. Hop, Kobe, tu t'occupes de monsieur? Aldoui a dit qu'il voulait te parler, je crois. C'est sur le nez. Oh merde. Attends. Ouais. Ah non, le nez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Le mec qui vient de passer là, qui vient de partir. Ouais. C'est un agent du LSPD en civil qui vient me poser des questions sur toi, si tu veux. Il me pose quoi comme question? Bah, des questions sur un plan large de comment ça se passe la hiérarchie, qui c'est qui bosse au pôle psy, est-ce que Surchat est toujours là? Ah oui, mais lui, il en est où maintenant au niveau du pôle psy? Il a monté un peu les échelons ou pas? Il parle un peu bizarrement en gens. Il a combien de menaces de mort? Je me demande s'il n'y a pas une enquête sur ta gueule. Ça m'étonne pas. Alors déjà, lui, hein, je lui ai refusé son PPA, donc c'est normal. Okay. Enfin, on a dû, je vais dire, lui refuser son PPA, donc il a mis du temps à l'avoir. Mm-hmm. Et ça m'étonnerait pas, j'ai eu un... Enfin, je vous prendrai tous ensemble, mais globalement, Athénaïs, hein, tu vois qui c'est. Hein. Oui, Athénaïs. Ouais, voilà, dès qu'il y a un clash, en général, elle va porter plainte à la SPD, donc ça se trouve, elle a porté plainte à la SPD, hein, parce que j'ai peut-être envoyé chez tout à l'heure, hein, donc voilà. Voilà, comme ça, tu sais. Ouais, bah t'inquiète, hein, ils peuvent, hein, y a rien à voir. Hein. Les questions de routine indirectes, non dirigées, qui. Ils sont pas forts, hein, ils sont pas faits de suite. Hein. Bah j'appellerai limite, hein, j'ai son numéro. Je ferai, vous avez besoin d'enfants. Bah non, mais tu me dis, oui, c'est ça. Moi, j'ai rien à me reprocher, je m'en fous. Non, et puis t'as mieux le temps de laisser couler, parce que s'il y a des questions, viens poser moi. Je vais voir les deux. C'est une soirée pas au fond, j'imagine. Hein. Ouais. Ah, c'est compliqué. Hein. On a un peu de semaine de merde. Hein. Oui. Et du coup, t'as pas répondu à ma question pour la semaine, ça se fait enterrer ou tu sais pas? Je sais pas du tout. Hein. C'est pas moi qui m'en occupe, hein. C'est ses contacts d'urgence. Hein. Oui, ses contacts d'urgence. Non, c'était Robin et. Non, je crois que je n'ai pas le droit de le dire en plus. Je sais pas.
Mais de toute manière, je demanderai de voir avec vous hein, de vous prévenir si vous voulez. Oh bah non non mais après, tranquille, ils font ce qu'ils veulent hein, ces contacts d'urgence. Mais, ouais non mais je sais pas s'ils ont prévu un truc ou pas en fait, c'est surtout ça. Je pense que là tout le monde accuse la nouvelle parce que ça arrive un peu soudainement. Et vous pouvez dire de quoi ou comment ça s'est passé ou... Non, c'est une maladie longue. C'est pas un accident quoi, c'était... C'est des fois, c'est la vie, c'est comme ça quoi. À part ça, sinon toi tu vas mieux? C'est compliqué en ce moment, mais bon, on fait avec. Hein. Et ton histoire, ça s'est réglé ou pas? Quelle histoire? Celle dont tu m'as parlé au live. T'en as parlé à Yone de toute façon. Non, j'en ai pas parlé. Hein. Non, parce que vous préférez tous. Tout le monde préfère les autres que moi, oui. Non, parce que t'étais pas là. Ouais. Sinon, je vous en aurais parlé tous les deux. Oui, parce qu'il m'a demandé si t'étais là quand il m'en a parlé. Oui. Ouais, parce que je faisais caca dans les chiottes. Voilà, ouais, bah, c'était un très long caca. Oui, t'inquiète, oui. C'est en train d'être vu. Ok. C'est. Je sais pas, on verra. C'est pour l'instant, c'est la méthode normale, on va dire. On verra après. Ok. Demandez gentiment d'arrêter, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment, je vous cache pas. Enfin, pour vous aussi, du coup, j'imagine. Le live plus Evan. Oui. J'espère que la semaine prochaine sera mieux. Oui. Pour toi aussi. Ouais. Deux patients en une semaine, c'est compliqué. Deux patients. C'était moi pour Evan et c'était pour moi pour Miosotis. Oui, j'avais oublié. Je vais souffler. T'es proche d'elle. Tu veux venir souffler avec nous? Ouais, un petit patriote, les yeux dans les yeux, on descend de mon Chiliad. Le problème, c'est que si on fait ça, je sais qu'on va rentrer à 2h du mat et moi j'avais prévu d'aller me coucher dans 15 minutes. Bah. Dans 15 minutes? Bah ouais. Bah on a le temps. Non, on n'a pas le temps, on sait très bien tous les deux. Mais on est samedi. On est vendredi déjà. Non, il est minuit 13, on est samedi. Ouais, mais on est le soir du vendredi, hein, donc. Ouais, tu vois, vous êtes levé vachement tôt hein, pour être là minuit quand même. Et ouais, t'as vu. Ouais. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a un nouveau stagiaire, il fait les poubelles, il fait les poussières, il fait tout. Son nom. Ouais, tu sais pas, toi. De quoi? Bah, son nom, tu sais pas. Au stagiaire? Ouais. Stagiaire 3. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Donc voilà. Ok, d'accord, bah, c'est pas grave. Non, tu vas aller jouer à Fortnite avec nous? De quoi? Tu vas aller jouer à Fortnite avec nous? Mais pas du tout, hein. je joue pas ce truc de nerd. Hein. Ah ouais, d'accord, super. Ah ouais, désolé. Pour tuer des gens, c'est trop bien. Ah ouais, d'accord, super. Ta 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 ta, comme dirait Nicki Minaj. Putain. Ouais. Mais du coup, hein, mais en vrai, hein, moi, descendre mon chili de patriote, tout ça, hein, j'aimerais trop. Mais vas-y, alors, sinon, faut qu'on s'en fasse un ce soir. Hein. Mais oui, un ce soir où t'es dispo. Hein. Où il y a Damien, comme c'est pour faire la roue du patriote. Hein. Exactement. Voilà, aussi. Hein. Bah vas-y, cale une soirée, hein, et je suis là. Bah ben ouais, ah, bah là faut qu'on voit ça. Demain je suis peut-être là, je sais pas si vous êtes là. Demain, ouais, quel jour demain? Samedi. Hein. Samedi. Ah oui. Enfin, on est dimanche, mais bon, pour Kyle on est. Oui, samedi. Hein. Ah bah si je fais pas la salle demain. Ah oh, putain, c'est vrai que je fais la salle demain. J'ai promis. Je dis voilà. Et. Soit avant la salle, soit la salle, je vous dirai. Ouais, non, t'inquiète. Je vais soulever des mamans. Ah ouais, tu mets une maman sur chaque halter et tu soulèves. Ouais. Ah ouais. Oui. Hier, je puais. Je puais le phoque dans la maison. Non, mais après, faut prendre une douche. Hein. Ah oui, merde.
Merde. Bah je sais pas, bah oui, hein, j'ai jamais été à la salle de sport donc je sais pas comment ça marche. Bah t'as bien raison, mais tu sais t'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Hein. Les vrais queens ils sont naturellement queens, hein. Pas besoin de sport. Bah ouais mais tu vois c'est pour entretenir mon fessier tu vois. Ah ouais hein, tu viens en boule, tu boule. Hein. Ouais ouais, je fais de la chirurgie, hein. Je sais pas encore. Ça faut demander. Hein. Un médecin chirurgien esthétique ici. Hein. Bah on a un peu le chier quoi, après je crois pas qu'on fasse trop de chirurgie esthétique ici. Hein. Oh merde. Bah ils ont fait ton nez donc un peu faire des fesses hein. Enfin, au bout d'un moment. Hein. Ouais mais c'était le stagiaire. Ah ouais d'accord. Bah ils sont bien sortis non? Ouais t'as un bon nez. Hein. Ouais ça va ouais. Bon après le problème c'est qu'il a été repété derrière. Ah merde par qui hein? Par qui qu'on a lui pété la gueule. Je peux pas le dire hein, mais on va dire que pendant les tests PPR j'ai tendance à tester hein, si la personne elle s'énerve ou pas. Hein. Bah ouais, elle s'est énervée. Hein. Ah merde. Oh là. Ah oui du coup bah... Est-ce ouais, qu'il a quand même été validé? Ah bah non pas du tout hein. Et on a même pas fini. Ah oui merde. Bah ouais mais si elle s'énerve aussi hein. Bah c'est ça c'est compliqué. Ouais pendant le test PPR c'était compliqué parce qu'il y avait mon PF avec moi du coup bah fallait que... Voilà c'était compliqué quoi. Mais bon. C'est moi qui te l'ai fait passer. Ah bah oui hein. Bah oui t'étais... Enfin c'est Gavin mais t'étais à côté quoi. On va voir. Ouais c'était compliqué. Bon je vous cache pas je vais pas tarder hein. Ouais mec. En plus faut que je vois les deux là. Bon, ok. Les deux. Non faut que je parle encore, faut que je fasse des trucs internes. C'est lui le stagiaire là? Ouais c'est lui le stagiaire. Ah oh, ouais d'accord. Mais il est très pratique hein. Ah ouais, il se range dans une poche et tout. De quoi? Il se range dans une poche et tout. Exactement. Et même à la radio il dit stagiaire 3 je vais faire ça. Waouh. Oh waouh, mais celui-là faut que tu l'adoptes hein. Bah exactement, c'est mon meilleur stagiaire. J'ai des photos de lui en train de balayer, en train de faire pas bien au GMS. Ah mais mec, hein. En voie faite. C'est bien. L'instant amour et douceur proposé par les EMS. Bah faut lui mettre un masque de pug, mais oui. Ok, un masque de pug. Voilà, après vous arrangez avec lui. Hein. Je parle des inconnus, hein. Mais ça va être avec plaisir. Bah après, si je vous présente, après du coup il devient connu. Hein. Ouais, mais j'ai quand même peur. Tu vois, je préfère connaître ce que je connais déjà et ensuite le reste, je l'ai dit, et toi, tu vois. Viens me soigner. Ah ouais. Voilà. En plus, ouais. En plus, après Monsieur Baudin, je connais pas beaucoup de personnes. Hein. Ça a pas mal bougé en ce moment. Ah bah ouais. Bah chez nous aussi, on est plus que 6. Ah bah, c'est ce que je comprendrais. Oui. Hein. Bah, c'est pas grave parce que les Hugo et. Comment il s'appelle? Jack. Hugo et Jack, ils font des choses qui leur plaisent, tu vois. Exactement. Et c'est grave pratique en vrai d'avoir un Jack. Hein. Bah ouais, mec. Hein. Bah ouais. Tu fais des blagues et tout. Exactement. Bien. Fait des blagues et tout. Est-ce qu'il a commencé à te parler de sa daronne dans son cendrier? Non, pas du tout. Ah, parce que vous n'êtes pas encore assez proche. Ah, on n'est ouais. Pas encore assez près, ouais. Ouais. Quand il commencera à te parler de ses sessions nocturnes avec sa daronne dans son cendrier, ce sera le S. Pour que tu saches que t'es choisi, tu vois. Je suis pas sûr que j'ai envie. Ah, t'inquiète. En fait, sa mère, elle est décédée, hein. Et en fait, il l'a brûlé, il l'a mis dans le cendrier de sa voiture, comme ça, elle est toujours avec lui. C'est beau, putain. C'est bon, j'ai envie de pleurer. Ouais. Tu as compris ta daronne? De quoi? Hein? Pas coupé. Putain, c'est salut. Vas-y. Quelqu'un t'a demandé une ambulance en dehors du garage? Oui. J'en dis ce que je suis de droite. Bah mec, t'es allé voir un concert, même. Non. Si. T'as été voir quoi comme concert? Alors, on m'a invité... Ouais, en fait, c'est deux frères. En fait, ils disent, waouh, c'est trop bien, la vie. Mais en fait, ouais. En fait, c'est du caca parce qu'ils font du rap, mais ils font pas du rap. Ils parlent, c'est tout. Ah ouais, d'accord. C'est chaud. Pour le coup, je pense que t'es, ouais. Ah, de quoi c'est mon ambulance, hein? C'est possible. Désolé, hein. Moi j'écoute pas, j'aime la France comme une tante avec qui je suis genre d'accord, mais qui fait très peu d'efforts. Hein. Voilà, tu vois, des trucs comme ça, c'est du caca au bout d'un moment. Mais oui, mais. Oui. J'ai pas dit que il y avait une bonne ambiance, tu vois. J'ai pas dit que j'avais kiffé les sons. Bah, un concert, il y a toujours une bonne ambiance, tu vois. Oui. Mais j'ai pas payé, donc ça va. Un concert qui apporte l'artiste, il y a toujours une bonne ambiance, tu vois. Oui, mais j'ai pas payé, donc ça va, je suis pas de droite. Zoé au prochain concert de Melisimka, il va dire oh non mais il y avait une bonne ambiance, il faut pas payer.
C'est qui ça? Oh, tu connais pas? Non. Ah, je te l'envoie, mec. Ça, ça, ça a l'air d'être un truc un peu raciste. Non, c'est quoi? Oui. Pas le genre. Ok. Attends, mec, tu connais pas? Non, mais si l'ambiance au concert elle est bonne, ça passe. Hein. Non, mais c'est là, c'est l'histoire d'un mec qui fait un big flop et ensuite qui va, ouais, qui va se coucher. Oui. Il est... Je comprends pas, au concert, il levait de la main. Il y a beaucoup de chauves. Hein, il levait toute sa main, ouais. Il y avait Lynn de. Ouais. Que des becs musclés, hein. Putain, c'était fou. Hein. Il y a marqué 8-8 sur leur visage, on sait pas pourquoi. J'ai envie de dire, quand il levait la main pour faire. Quand les autres ils demandaient, c'était un angle très particulier. Ah ouais. On... C'était toujours les mêmes paroles en plus. Est-ce que tu m'entends, Eo? Non. Merde. Non, non, il saluait quelqu'un, mais je sais pas qui. Ouais, ouais d'accord. Tiens, je te l'ai envoyé. Regarde, juste la miniature déjà donne envie. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu ma copine crier parce qu'il y avait un bruit de tonnerre. Mais il y a une bonne ambiance au concert. Hein. Donc ça va. Ouais, tu sais quoi, je rentre à pied. C'est OK, tire. Hein. Mais non, vas-y, reste là. Je reste là, mais. Non, mais Zoé, hein, t'es notre raciste préféré, t'inquiète pas. Ta gueule. Qui vous qui vient de rentrer hein. C'est Hans. Quoi? C'est Hans. Oh, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Moi ouais, je vous laisse, moi je vais pas tarder à me coucher. Ouais, bisous. Hein. Allez, bonne soirée. Hein. Allez, moi. Moi. Ouais, bisous. Ah, c'est quoi cette histoire d'ambulance? On va partir avec. Rien, t'inquiète. Avec non, d'accord. Je peux pas parce que les codes femmes sont pas les mêmes. Attends, et je dois avoir regardé ça. Bouge pas, je dois avoir regardé ça quelque part. Bouge pas. À chaque fois qu'il y a un nouveau, il le demande, il n'y a personne qui a des notes en fait, c'est terrible. Mais parce qu'on nous a dit, il ne faut pas les noter, c'est un truc qui se transfère de génération en génération. C'est... Okay, faut juste trouver la génération qui n'a pas oublié ça. T'inquiète, je ne l'ai pas oublié, je l'ai quelque part. Bouge pas. Il sera tout gros chemis. Bah, c'est toi, amène-le. Hein. Amène-le à magasin de vêtements. Attends, laisse-moi déjà voir si je le retrouve. Non, mais de toute manière, pour ça, il suffit juste d'aller à. En boutique, hein. Tu vois sur quelle étagère est ta tenue et tu changes la couleur. Hein. Oui, c'est ça, mais je disais juste que moi je pouvais pas parce que les étagères des femmes sont pas et les mêmes. Et merci le cas. Donc, pour si le raid. Bienvenue à vous. Ça donne pas du tout des bons cintres. Hein. On est d'accord. Je crois que j'ai ah oui, t'inquiète. Oui. Bah, ah, moi, dans mes souvenirs, quand j'ai essayé, ça a donné n'importe quoi. Hein. Oh, putain, merde, d'accord. Il a encore disparu le stagiaire. Il vient de sortir là donc. Il vient de sortir. Il est passé à côté de toi, il est tellement insipide que tu l'as pas vu ou quoi? C'est possible. Ah, attends, il l'a pris en photo et tout, il a dit que c'était son idole. Ouais, mais maintenant qu'il ne balaye plus, je sais pas trop qui c'est quoi. C'est je sais pas, là maintenant, il attend, il veut soigner des gens, je suis perturbé. Hein. Ah bah, il a peur. Non, mais c'est bien ça, c'est au moins une relation saine de travail quoi. On le forme. Mm. Est-ce que je peux voir tous les deux une dernière fois avant que j'aille me coucher hein. C'est bon. Encore. Ils nous aiment pas, c'est hein. Terrible. Oui. Alors, oui. Du coup, à propos de l'histoire d'Hugo et de merde des autres là, des boss. Je vous demandais par contre de faire attention sûrement au ton que vous employez parfois. Vous avez l'air d'utiliser beaucoup l'humour, c'est cool, j'adore ça. Mais par contre, des fois il y en a qui acceptent pas et faut peut-être avoir le bon moment en fait. Pour Hugo, hein, il est assez touché, il a mal pris vos commentaires ou vos tentatives d'humour. Hein, j'ai eu plusieurs messages là-dessus. C'est Hugo. C'est qui Hugo? De quoi tu parles? C'est le nerveux qui est parti avant parce que. C'est le mec qui oui, c'est. Bah, Hugo, c'est le collègue qui est parti avant parce qu'il a appris le décès d'un de ses amis. Hein. Tu te fous de ma gueule, c'est nous qui avons fait des blagues. Non, mais alors. Attends. Non, mais juste. Attends, vas-y. Non, mais attends, fais pas ta drama queen, hein, je te demande. Non, parce que ça m'étonne drôle. Non, mais, fini. Non, mais juste de manière générale, je vous demande de faire attention un peu à comment vous pouvez parler des fois. Parce que ça peut être mal interprété. Parce que le cas Hugo, on était 400 Hugo, les deux seuls qui ont fermé leur gueule, c'est nous. Hein. On était morts de rire des blagues de Hans et de Sepi. Non, mais je c'est parle pas. Qui ont fait des blagues. Je parle pas forcément des blagues, c'était un abus de langage, mais genre. Attention à comment vous communiquez des fois.
Je pense. Bah, tu as dit que tu as reçu. Attends, non. Et c'est pas de noyer le poisson. Tu nous as dit que tu as reçu plusieurs messages et tu nous as parlé de Hugo. Hugo, on lui a pas parlé du tout. C'est-à-dire qu'il s'est énervé avec Hans, et on était là, c'est vrai, et quand il a insulté, bah oui, j'ai dit que oh, on avait le droit d'être énervé, mais insulté, non, mais il est parti tout de suite. Et ensuite, quand il est parti, Hans et ses pisses sont venus faire des blagues sur... Voilà, ils sont terribles. Bah, je sais pas, mais... Alors, peu importe l'intention ou pas, ou je sais pas, en tout cas, vous avez eu des mots qui ont été mal interprétés de partout. Donc, et le coup des lobos, ça part aussi d'un truc où t'as dit cher, et ça a été mal interprété. Donc, essayez de faire attention à votre langage, à les abus de langage. Bah on va bosser qu'à deux en fait, et comme ça il y aura pas de soucis. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'au contraire, on va réfléchir avant d'ouvrir la bouche, ça m'intéresse pas d'être ici. Donc c'est tout, si après on n'est pas dans sur la même longueur d'onde que les autres, il y a pas de problème, mais on fera. Non mais des fois vous avez des mots durs, faut l'admettre. Mais quand j'ai des mots durs dans cet hôpital, je suis d'accord, mais dans toi ça fait quand même bizarre. Non. Attends, je suis désolé, Aldo, hier tu m'as dit t'as pas d'amis, j'ai fait bah ouais j'ai perdu Miozitis hier, t'as fait ouais t'as pas d'amis, tu vois c'est des trucs comme ça, ça fait mal là. Moi j'ai laissé passer parce que c'était pas méchant, mais voilà, faut faire attention. Et il y en a d'autres, ça peut être très mal interprété, hein, donc faites attention. C'est ce que je vous demande, hein. Je vous demande pas d'arrêter de déconner tout ça, hein, tout va bien. C'est juste, on me le remet plusieurs fois, donc essayez de peut-être tâtonner, voyez avec qui vous pouvez déconner. Ok. Mais oui, mais du coup, pas oui, de... voilà. Du coup, on n'aura pas le même comportement avec tout le monde, du coup. Bah, attendez, non. Peut-être avant de vous marier sur les darons, attendez peut-être un peu de voir si les mecs sont de l'humour ou comment ils sont, hein. Peut-être. Non, alors la règle c'est pas les darons, pas les enfants. Oui. Moi ça me va. Enfin, moi j'en fous, donc c'est pour ça. Comme ça, tu t'en fous de ta daronne? Bah, ma mère elle est morte. Ah bah voilà, raison de plus alors, pas les darons, on est d'accord. Ouais, enfin bref, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Ok. C'est juste, faites attention, hein, si vous voulez pas qu'il y ait de mauvaise ambiance ou autre chose comme ça, essayez de voir. Ah bah non, là, la mauvaise ambiance, c'est une bonne chose. De quoi? Oui, bah après, c'est tout. C'est tout. On sera les deux et puis ça sera réglé, t'inquiète. C'est pas grave. Non, mais faut pas prendre ça comme ça. Hein. C'est juste... les extrêmes tout de suite. Ah non, mais c'est clair. Non, mais ok, on s'enferme tous les deux. Faire un bunker et puis on parle plus aux autres et puis les autres c'est connard. Hein. Non mais voilà, c'est juste... Non, ils ont pas d'humour, c'est pas pareil. Non, mais Hugo, il a beaucoup d'humour. Bon là, il était peut-être mal, mais du coup, il y a des choses qui sont mal passées, donc voilà. Bah, comme je t'ai dit, le cas Hugo, c'est entre lui et Hans et l'autre lui et Hans. Enfin, nous, on était là parce que la faute à pas de chance, on était là. Mais voilà, il est parti, je te dis. C'est bien sûr le cas, on a pas dans notre gueule. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que quand il a insulté, quand il est parti en insultant, il est parti directement vers le labo, et après il a mis sa tenue, il est parti. On lui a même pas adressé la parole une fois. Moi j'étais pas là, hein. C'est pour ça, je peux pas affirmer ou désaffirmer, c'est juste que j'ai eu plusieurs montées. Hein. Donc, ça concorde du coup avec ce qui s'est passé avec le boss. Hein, c'est très bien, c'est clair. Tu sais, à partir du moment où les membres de la direction nous disent de toute façon, vous ouvrez trop, vous l'ouvrez trop, vous voulez tout changer, patati patata, on savait très bien où est-ce qu'on allait. Quoi. Mais les membres de la direction, c'est Damien qui a dit ça, moi j'ai rien dit, Teddy a dit ça. Un membre de la direction, Bah voilà, c'est un. C'est un et un ancien, donc ça va. Ouais. Mais je suis plus ancien que lui. Non, mais c'est ton daron qui nous a dit qu'il y avait plein d'hôpitaux qui seraient capables, qui seraient tout contents de nous avoir. Non, c'est comme ça, mais... Ouais, si, mais... si. Pardon. Je sais pas, là. C'est okay. Après, Arthur, il est interne, donc d'ici une semaine ou deux ou trois, enfin, j'en sais rien quand est-ce qu'on passe interne, hein. Vous serez au même niveau que lui, hein, donc ça, c'est pas un problème. Moi, j'aime bien que vous soyez force de proposition et que je sais que je peux m'appuyer sur vous en cas de soucis ou s'il y a besoin d'aide. Hein. Donc ça, moi, c'est pour ça que je vous aime bien. On verra.
On verra comment ça va évoluer. Après, si nous, après c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas à l'aise, bah, on va pas pouvoir continuer non plus. Tu vois. On ne peut pas non plus, nous, être dans, une, dans un contexte où il faut marcher sur des œufs parce que l'autre, il est émotif, l'autre machin, l'autre style, l'autre ça. Le cas de ce qui s'est passé là, avec, tu disais qu'Aldo avait dit qu'il n'avait pas d'amitié, je ne sais pas quoi. Franchement, je ne vais pas te mentir, j'ai pas tilté. Alors, je ne sais pas si j'étais sur une inter ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas suivi ça. Mais de façon générale, on rigole quand tout le monde rigole, et quand on n'est pas content, on le dit ouvertement et on s'en cache pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas du genre à parler dans le dos comme certains le font. On parle directement aux concernés, et parfois, quand il y a d'autres personnes. Donc ça peut toucher les égos, ça je peux concevoir, mais on ne va pas pouvoir non plus être des personnes différentes de ce que l'on est, tu vois. Pour nous, c'est pas, ça va pas, on est c'est pas viable de ce qu'on non plus. Dit, on n'est pas responsable de l'impact que ça a sur les autres. Oui, non, mais ça je vois totalement. C'est, je après, après pour, le, pour coup, le, truc, mais... le coup de pas d'amis et tout, de un, je savais pas que Mijotis. Avant, on l'a dit, je savais pas que Mijotis était ton ami. Et dans la globalité, on s'est toujours taquiné là-dessus, donc c'est pas nouveau, tu vois ce que je veux dire. Oh, ouais, c'est sûr, mais c'est pour ça, c'est des choses qui peuvent partir. Bon, là, on se connaît, donc je sais que c'était pas méchant. Mais tu vois, vous voyez, hein, c'est pour ça, c'est le coup du avec le boss, le cher, où c'était une blague, hein, ça aurait pu être drôle, hein, mais ils étaient pas dans un mood, hein, et du coup, ça a fait que ça a failli partir. Bah, ce qui veut dire que avec les patients, ils font être grave carré tout le temps, parce que tu sauras jamais dans quel mood ils sont dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Quand quelqu'un arrive, tu sais pas du tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Donc tu rigoles avec personne, parce que potentiellement, ça peut être mal pris. Bah, alors moi de base, attends, laisse-le parler, Chou. Non, mais il n'était pas là, donc je suis obligé d'argumenter le truc. Il serait arrivé, leur accident de parachute, dépité et déprimé. Oui, ils ne sont pas dans l'ambiance, ils ne sont pas dans le mood, d'accord. Non, ils sont arrivés seul, morts de rire, éclatés de rire. Ouais, allez, respecter 12 000 fois. On a tiré sur la corde, mais ça ne s'est pas ouvert. Non, on a tiré sur la corde, mais ça ne s'est pas ouvert. C'est ça. Bah... Oui. Si j'arrive en me secouant les couilles devant toi en disant « Ouais, t'as vu, j'ai des belles couilles, puis tu me dis un truc de travers, puis je t'en colle une. La cohérence, c'est exactement ce que tu dis. La cohérence. C'est cohérent, moi je prends. Si c'est pas cohérent, je les laisse. Je me suis arrêté, je t'ai imaginé en train de me montrer tes couilles, ça m'a fait peu nickel. Cœur. C'est comme le lama, c'est pareil. Mais super. Avec les poils en plus. Ok, écoute, on va tenter, on va essayer. Si nous on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, bah écoute, l'île est grande, hein, c'est pas un problème. Après, hein, vous avez pas de bol, hein, vous êtes vraiment tombé sur une semaine. Là, cette semaine, c'est une semaine de merde pour beaucoup de monde. Hein. Tout le monde est tendu, hein, c'est une mauvaise semaine. Mais il y a beaucoup de frustrés. Ouais, mais non, c'est pas ça, c'est qu'on est médecin, tu vois, c'est-à-dire qu'on est censé être ceux qui justement. Devons garder la tête froide pour que justement dans ce genre de situation on arrive à continuer à faire tourner les EMS, tu vois. Donc me dire parce que justement il y avait beaucoup de taf, patati patata, ça part en cacahuète, ben, on va prier pour que des situations compliquées, il n'y en ait pas souvent, quoi. Parce que non, je parlais pas du fait qu'il y a beaucoup de taf, hein. Là je parlais plus au niveau des décès. Hein. Non, des décès. De... Bon, non, mais même, c'est la même chose, Kyle. Je dis pas qu'il faut être aseptisé dans ce qu'on ressent et tout ce qui s'ensuit, mais c'est comme le LSPD, tu vois. Ils doivent garder la tête froide. C'est la même chose. J'ai envie de dire, sur une ville de 3 millions d'habitants, des décès, t'en as tous les jours. Hein. Oui, hein, mais là, on a des décès qui nous ont touchés. Hein. Le décès de Myosotis, il y avait beaucoup de MS qui l'appréciaient énormément. Le décès de Evan, bon, moi, c'était un patient, donc ça va. Mais on a des anciens du Life, Jake et Hugo, hein, c'est des anciens du Life qui ont travaillé avec lui. Hein. Auprès de qui ils étaient proches, hein. On a eu des décès, mais là on a eu vraiment des décès de gens qui sont proches de nous. Attends, tu m'as dit c'était Hugo ils étaient proches de lui. Ah, Jack c'est l'assistant de direction. Ouais. C'est pour ça qu'il m'a accompagné quand j'ai annoncé à Robin. Il m'a dit dans le couloir qu'il l'aimait pas. Dans le couloir, il m'a dit je l'appréciais pas spécialement. De toute façon, il y a personne qui va récupérer son corps. C'est lui qui m'a dit ça. D'accord. Il m'a dit ça se passe comment quand on récupère pas un corps. Je lui dis bah je sais pas, il y avait pas des collègues, des machins. Il m'a dit oh, de toute façon, j'appréciais pas plus que ça. Je ne connais pas le process, il faut demander à la direction. Donc tu vois, c'est pour ça en fait, moi je veux bien comprendre. Il dit ça, j'ai beaucoup d'amis qui sont putain, il est encore avec son balai. Il dit, y a beaucoup de gens qui sont extrêmement avec tristes. Son balai. Mais en même temps, il a raison. Non, mais il l'a dit, il se fait chier. Il se fait chier, il reste dans le hall, ça l'emmerde. Mais il a raison, il passe le balai et tout. Voilà. Donc tu vois, c'est-à-dire que moi, si Jack il me dit que il en a rien à faire, je vais pas changer mon comportement parce qu'il a un ancien collègue qui est décédé, tu vois.
je vais m'adapter à ce que les gens disent. Alors si après derrière elle dit oui bah ils ont fait une blague devant moi, c'est pas cool parce qu'il y a eu un mort, bah fallait prévenir dès le début quoi que. Mais blague à part, il y a eu zéro blague. Hein. Ah si, ils en ont fait des blagues, rappelle-toi, après. Quand il a dit justement son pote qu'il a oublié, qui se rappelle que c'est son pote depuis. Je sais pas quoi. Si, si, ils ont dit des blagues. Si, si. Ah, ça, j'ai pas entendu. Non, mais sur le moment, ah, quand il était là. Ah non, quand il était là, non. Quand il était là, il n'y a pas eu de blague. C'est juste que Hugo a demandé si le décès des moines était une blague. T'es sérieux? Et puis, bah, Hans a mal pris la question en fait. Mmh. Est-ce qu'il est cohérent, je ne sais pas s'il l'a mal pris, mais il a, non, mais il a eu la réponse. Il a répondu d'une manière très, très, très brute et cohérente. C'est que, ben non, je n'ai rien, on rigole pas avec la mort. Quoi. Mmh. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Bon, c'est tout. Écoute. Ah, voilà, mais à chaque fois, j'ai des remontées quand je ne suis pas là. Donc, je ne peux pas dire. Mais c'est juste. Voilà, on a bien compris que c'est un club de fragile. Et puis, on fera plus de répétition là. Voilà. Non, non, mais après, comme je t'ai dit, si pour nous, ce n'est pas non plus le truc dans lequel on va bien se sentir, ce n'est pas grave. Il y a. Il y a d'autres choses à faire, c'est pas un souci en soi. Une clinique privée. Voilà, vous pouvez ouvrir votre clinique privée en concurrence. Hein. C'est la santé, il n'y a pas de concurrence dans la santé. C'est ce que j'allais dire, hein, la santé. Sur Instagram, il y a de la concurrence peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, on va y aller. Hop, j'ai pris. Eh ben, let's go, on y va. Bah, tu prends Kobe avec toi ou il n'est pas là? Bah, on va aller trois, on prend Kobe avec. À trois? Ok, d'accord. En fonction, on n'avait jamais fait à 3. Ok. Ah bah écoutez, oui, Jack, t'es là? Ouais, j'arrive. Kobe? Kobe une fois, Kobe deux fois, Kobe trois fois. Allez, monte derrière, Kobe. Hop. Faut que je dise d'arrêter de nettoyer au bout d'un moment, peut-être. Hein. Non. J'aurais jamais cru dire ça à un stagiaire. Hôpital propre. C'est vrai que là, il est nickel. En profiter. Hein. Il dit quoi là? T'as appelé Jake? Ouais. Ouais, bah, je crois qu'il est parti dans les corridors, mais j'ai pas suivi. Le deuxième message entreprise. Ouais, je vais poser mon service parce que j'ai pas envie de. De repartir, j'aimerais bien me coucher. Et désolé, merci beaucoup Kialak pour le follow, bienvenue. Il y a trop de trucs ce soir. Jack, t'es où hein? Ça va? Allô? Ouais, ça va.
Ah ouais, t'es où? J'ai juste voir Hugo là qui est sur un parking. Après, je rentre faire du tableur. Ah d'accord. Ok. Ben, parce que je voulais avoir un peu. Je voulais savoir pourquoi tu m'avais écrit ça justement à propos de ce qui s'est passé avec avec Hugo. Parce que j'ai eu un retour de sa part et je voulais savoir si c'était déjà un truc qui était connu ou pas. Parce que je t'avoue que même moi, j'ai dû rester 2 heures avec eux, mais ça me donne pas envie de passer du temps. Peut-être ces gens-là, oui. Ok. Okay, donc, okay. Des EMS qui bitchent sur tout ce qui passe aux EMS, bon, ça me fout un peu mal à l'aise, quoi. Ok, bah, j'aurais transmis de faire attention à comment ils parlent, etc. Après, voilà. Ok, très bien. Je vais, voilà. Ok, bah du coup, pas besoin de se voir. Bonne soirée. Ouais. À toi. Salut. Hello Kenny, comment ça va? Tu l'auras chez moi là. That's my last time. Merci. Ouais, tranquille, tranquille, là ça va se finir. Ça va se finir. Demain je fais un petit aller-retour au cinéma, donc on va partir trop tard. Beaucoup de gestion là, je sais pas ce qui se passe quand je suis pas là, mais que du RH, médecine, que du RH. Désolé Oriocha, il y a eu un restant de pizza là pour sortir. Ok, fin de service, bonne soirée à tous. Et bonne soirée. Bonne soirée, chef. C'était le stagiaire. Attends, j'adore. Jamais dans la vie. Bon, fin de live de mon côté. Ok, je reviens au GMS sans. En fait, demain, je vais peut-être pouvoir, pouvoir stream, en fait. J'avais pensé, j'ai oublié, je pensais que j'étais pas dispo, mais en fait, je suis dispo. Alto Adriana, les deux ambulances à l'entrée, c'est bien les vôtres, on est d'accord. Oui, c'est bien ça. Bah écoutez, on va voir pour Red. Quelqu'un. Ouais, du coup, désolé, hein, à peine arrivé, déjà reparti, mais bon, il commence à se faire tard. Hein, je suis... écoutez, merci beaucoup pour le raid, pour les follow, pour tout ça. Une soirée plutôt cool, en vrai, j'aime bien quand ça commence à bouger, même si c'est du. Même si c'est du, comment dire, du RH, des petites gnagnagnan, mais c'est cool. Enfin, ça peut... on voit des histoires qui commencent à se créer. Donc c'est sympa. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à follow. Mon Discord, si jamais vous voulez voir la fabrication de Swagbeer par les RP ou d'autres trucs. Et du coup, et être averti quand je stream. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie chez Samir. Samaïr. Ouais, Samir. Bon, bref. Voilà. Bonne soirée.